Alors normalement c'est bon, voilà, nouvelle catégorie Starbound. Jouer à Starbound. Devil Alive dit bonjour, c'est le 16 du Nancy en direct sur C8. Alors on va commencer. Commencer, on va se dire jusqu'à ce qu'on entende craquer. Oui, bien sûr. On va se dévisser une rotule. C'est l'objectif du jour. Oui, bien sûr. Ah. Alors, as-tu des objectifs du jour, petit Seb, dans Starbound? Dis-nous tout, s'il te plaît. Bah moi je vais continuer les quêtes de chasseurs de primes. Moi, il faut que j'essaie de faire une quête Nulu. Nulu. Ah bien, attends, il faut que je fasse l'interface de la plateforme de jeu pour pouvoir te retrouver. 9h, dit Nayonet. Oui, c'est horrible. Non, enfin si, enfin oui, bon, bref, le temps passe trop vite, comme d'hab. Tindé, 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 je suis nunuche. J'ai pas cliqué là où il fallait cliquer. C'est un scandale, petit Seb. Tu t'es pas déclaré en ligne. Oh, pourtant si. Bah, pourquoi je te vois pas? Je te vois en hors ligne désactivé. Ah, mais si, monsieur. Et là, je peux faire rejoindre la partie. Mickey! Attends, j'étais en ligne, c'est pas... Ouais, bon bref. Oh, t'as eu une micro-coupure, ça. Ce sont des choses qui arrivent. Ah, en tout cas, bonne matinée tout le monde. On va faire les foufous dans les étoiles. C'est ça qui est beau. J'ai plein de poésie. Mon Dieu, j'ai oublié de remettre le ouf, ouf, c'était quoi mon accoutrement? Oh, ça fait 3 semaines qu'on n'a pas joué, je ne sais même plus ce que je faisais. La Valérie d'Amido. Wouah, mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que je fais là, moi? Le mec, il sait même plus où il est. Ah non mais complètement. Ah je devais faire les fossiles à mon avis. Parce que je me suis isolé dans une grotte. Merci pour l'invitation de partie. Est-ce que je vais peut-être remonter à la surface. Bon je présume que ça j'ai exploré. Ah non. D'accord, tout va bien. Oh mon dieu, j'ai déjà des harcèlements sous Steam. Quel est le canaillou qui me harcèle sous Steam? On verra plus tard. Na. Sonia, qui c'est ce volant? Oh, Nayonet, canaillou. En rigolant, tu t'es désigné toi-même. Je le sais. Il y a une lampe. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Attendez, je vais essayer de rejoindre la... Ah! La surface. Lolesque, dit Nayonet. Ic. Oula! C'est quoi ce Pokémon? Aïe! Ouille! Ah! Mais pourquoi il m'a tué? Mais... Attends, elles sont où mes armes? Pourquoi j'étais à poil? Il m'a trucidé, le monstre. Je suis dans la mouise. Je démarre très mal, mais la reprise. Au secours! Vu que je me TP à toi? Bah, comme tu veux, mais moi il faut que je retrouve là où je suis mort. J'ai plus aucun souvenir, j'étais dans les tréfonds. C'est horrible. Ouais, du coup, je vais pas vraiment pouvoir t'aider, quoi. Bah, c'est surtout que moi il faut que je me rappelle comment on joue. Excuse-moi, mais 3 semaines d'amnésie. Je ne sais plus. Ah, un coffre là. J'y avais rien pris. Attends, j'étais dans les tréfonds. Va retrouver le truc. En espérant que ce soit la bonne destination, si je pense. Ah non, j'étais pas forcément dans la planète en orbite. Oh, je suis dans la mouise, petit Seb. J'ai peut-être perdu beaucoup là dans ma bêtise. Oh là là. Malheur à moi. J'étais dans les profondeurs. Ah, bonjour JJB, comment que ça va? C'est un gangbang de l'espace, au secours. Salut, salut. Ah. Ouah. Oh.
La 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 la. Alors, creusons, 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 creusons. Ah non, j'étais profond. Si, si, je pense que c'est la planète là, mais alors pour retrouver l'endroit où je suis mort, ça va être bordeloum. Eh, il y a des jolies ressources. Oh my god. Aussi, j'ai mis des ressources de côté, mais je sais plus pourquoi. J'ai fait une chute mortelle. Ça va bien, JJB, c'est cool. Ouais, on va bien dans l'ensemble, merci. Je joue très très mal, j'ai perdu les bons réflexes. Ah oui, c'est vrai que je peux faire la boule... La boule spider cochon là qui monte au plafond. Il faut que je le fasse. Ça aide. Cool. Ça, alors attends, j'étais cool. Parti par là-bas. Ça, je suis... Bah, bah, bah. Je suis dans la mouise intersidérale. Il faut que je retrouve mes affaires. Oula. Au fin fond de cette grotte ancestrale. Ouais. Pour la rime. Ah bah. Oui, ça ressemblait à ça. Après, je ne sais plus. Voilà, j'ai fait une chute de ce genre là. T'es redescendu en méca au moins? Même pas. Ouais, ah, j'ai retrouvé mes premiers restes, on va dire, c'est comme ça. Attends, c'est du pétrole ça? Ah ouais! Oh bah merde alors! Il y a du pétrole qui a dégringolé d'une cavité à une autre, dis donc. Ah bah, médoum. La 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 la. Destruction. Attends, j'ai dû mourir pas très loin d'ici. Reste à savoir où. Attends, j'avais déjà les stalactites et les stalagmites. Là, j'aurais un merveilleux. Bon, bah, j'ignore le 1. Les. Oui. Ton outil là de protecteur, il est à fond, toi, maintenant, c'est ça hein? Je crois savoir que oui, bouge pas. Oui, merci. C'est la petite AJ quand il nous rejoindra. C'est à lui qu'il faut donner désormais. Ah mais ouais, parce que les modules manipulateurs, j'en ai encore 12 là. C'est merveilleux, bravo. Et les tech cards, t'avais débloqué toutes tes technologies aussi, non? Il faudra vérifier, pas sûr pour les tech cards. J'en mettrai pas mal. J'en ai encore 9 là, donc de quoi on débloque au moins. Hein. Merde, je crois que je l'avais trucidé lui. Alors attendez. Ah bah oui, mais j'ai plus de bouffe moi. La bonne blague. Je suis dans la mouise. Bon, je le dis. Je vais me taper à toi, j'ai de la poupe. Ah, ce serait gentil, merci. Surtout que je suis dans un étrange environnement civilisé, on va dire. Il y a des constructions. Il y a un coffre que je viens de piller. Il y a un truc de paille. Je peux dormir dedans. Ça m'arrange. Merci, monsieur. C'est généreux. Alors, tu devrais pas avoir trop de difficultés si tu veux sortir à remonter et à trouver le signal voilà. De ton vaisseau. Oui, monte, monte, monte. Pour te téléporter. Et moi, je désespérément, je pars en quête de mes super restes, de ma maladresse d'entrée de jeu là. En espérant que ce soit cette planète, mais je pense que c'est le cas. Je ne pense pas que j'ai commis l'erreur monumentale
de prendre une destination de hasardeuse de mon index de téléporteur et de me barrer. Oh, ça c'est bien ça. Merci pour la bouffe encore une fois. Alors, attends. Oui. Pas encore sortir, mais je dois pas être loin. Mmh. T'as la différence entre le tout début quand vous avez rien en technologie et la fin où vous êtes complètement pété, vous pouvez manipuler la matière en masse à une vitesse folle. C'est dingue, le contraste est jouissif. Oh, je descends trop bas là. Là, j'arrive dans la roche proche de la lave. Je suis trop bas. Donc faut que je remonte un peu et que je retrouve le bon secteur. Je dois être à peu près à la bonne profondeur. Hop. On était quand même bien descendu. Ouais. Oh, un coffre. Oh mon dieu. Avec un schéma mystère. Qu'est-ce que c'est que le schéma mystère? Vite, faut le découvrir. Ah bah je le connais déjà, c'est la table en nonos. Bah tiens, d'ailleurs je ship le coffre. Burp. La table en nonos. Ah oui, mais c'est pour la bouffe. Oui. Bonjour Benzaiten, comment que ça va? Comment que ça va ce matin? Ah, j'avais autre chose à te donner, bro, t'es pas à cet endroit. Ouais, on se reverra en milieu sûr. Je te recevrai sur mon chez moi, petit Seb, tout à l'heure. Oh, je veux taxer mes locataires qui me donnent des cadeaux. La 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 la. Bah nous dans l'ensemble on va bien, mais j'espère que c'est ton cas aussi, Benzaiten. Je suis ensevelie. Je peux toujours pas ressortir là. Hein? Oh la vache, les bonnes boules là. Les végétaux de nonos. Je suis en train d'en faire une règle. Non, mais le biome os, ils sont insane les mobs. Hein. Et sans compter ceux que quand tu tues, en fait, ils se découpent juste en deux, ça te fait deux mobs au lieu d'un. Je sais que tu les détestes. Ouah, il y a une lampe torche. C'est bon, je peux sortir. Ah, je te préviens, j'ai fait des galeries à l'arrache dans tous les sens. Hein, oui, mais c'est pas un mal, je m'adapterai, mais... J'ai toujours pas retrouvé mes affaires. Mais je ne désespère pas, je finirai bien par tomber dessus à force de tourner en rond. Ah, attends, là il y a une cavité de la moitié. Cher cher, je me trouve le cerveau sur YouTube de l'émission 100% logique, la réponse est sous vos yeux. Ah, oula. Nous avons perdu Benzaiten. Alors, il y a quoi là? Ah oui, j'avais plusieurs documents que j'avais récupérés avec EJ. Il fallait que je te file pour ça, parce que je savais pas si tu les avais. Pour analyse. Pour analyse, qu'on se le dise. Je pose ça. Oula. Wouah, l'avalanche mortuaire. J'ai tellement de nonos qui me sont tombés dessus que j'aurais pu à m'en sortir. Au secours. Mais qu'est-ce que c'est que cette avalanche? Elle est sans fin, mais c'est pas possible. J'ai la montagne de la muerte qui vient de me tomber dessus. Au secours, je suis mon dérivé de m'en dégager.
Ça, ça fait peur. Il n'y a pas le lieu de ma mort tout proche là où... Oh, encore un coffre. J'essaie de voir si effectivement je suis aussi logique et conne que je pense l'être. Oh mon dieu. Terrible constat. Ah! Je dis oui. Oh, le décor de fond est... Waouh! Le décor de fond est psychédélique. Je m'en souvenais pas de ce décor. Je plume. Oh, merde. Je vais passer une heure à errer dans les sous-sols de la planète à essayer de retrouver mes affaires. C'est bon, ça. En fait, l'instrument que j'ai trouvé en remontant, je l'avais déjà. Donc il sera pour toi. Miggy. Encore un coffre. Putain, mais c'est la folie. Oula. Voilà, je ne suis plus sûr d'où je vais. Oula, il y a des ressources merveilleuses. Merde alors. Bienvenue dans le monde merveilleux des ressources. C'est ça. Alors, toujours le truc mortuaire à donf. Là j'ai une poche de terre. Merde, j'ai failli tomber dans ma caca. Le truc à pas faire. Il y avait un peu de pétrole là où j'étais, je crois. Pourquoi je retrouve plus le biome pétrole? Je l'ai croisé un instant et je l'ai perdu. De vue, on va appeler Jacques Pradel. Oula. Non, c'était pas... Ah putain, pareil. Mais il me fait chier ce mécano là. Do the mécano. Je sais les merveilleuses voix sexy en vocale. Oui, la voix sexy en vocale n'est autre que celle de Petit Cheb Live. Sexy? Ah ouais! Sexy boy. Il y en a qui n'ont pas le trou des oreilles en face de leurs oreilles, hein, ça c'est sûr. Oh. Putain, mais je suis en train de devenir fou. Pourquoi je retrouve pas mon... Je suis en train de rendre complètement poreux la planète à force de creuser dedans comme une furie. Et toujours pas de trace de mon précédent cadavre. Waouh, doucement. Ah, le biome chelou dont tu parlais, elle a fait de chair avec les êtres de partie. J'en ai des traces, mais des traces seulement. Mais moi, c'était une zone de pétrole où je m'étais plutôt englué. Qu'est-ce qu'il y a, Nayane? Oui, hein, c'est terrible hein, de pas trouver la sortie, hein, c'est rageant. Ah bah, là je suis dans le biome chelou, là c'est sûr. Sauf que je crois pas que ce soit là que j'étais. Il va falloir prendre notre mal en patience. Merde, j'ai marché sur... Oh! Ça fait longtemps que j'avais plus eu d'ennemis. Peuple par ici, vous du dieu. Encore? Non, mais c'est pas possible, y'a un ami. J'ai eu aucun ennemi pendant 10 minutes et là maintenant y a
toute la population de la planète qui était concentrée en un seul point qui me tombe dessus en guet-apens. Faut arrêter. Benzaiten qui est déchaîné et qui confirme qu'elle trouve ta voix sexy, que tu veuilles le reconnaître ou non. Ah bah bien. Bah, tous les goûts, on a la nature. Voilà, une quête de terminée. Les gars, vous n'êtes pas obligés d'en rajouter non plus parce que... On va s'en sortir sinon. À droite à gauche. Ouais, sauf que c'est pas là que je suis mort, moi. La 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 la. Je vais retomber sur une réserve de carburant parce que à force de... de me balader d'une planète à l'autre. Ah oui. Ça consomme de la précieuse ressource. Là au-dessus, je vois qu'il y a un truc civilisé. C'est pas de là où je viens. Ah, c'est fou ça. Mais où était-ce? Mais faut que j'arrête de chuter comme un caca et un hein, bon. Je me refais bobo. Ah, je l'ai pingouin. The penguin. Oh, ça se mange brut, ça. Ah oui. Oh, un codex que j'avais pas. In a codex, in the morning. Oula. Allez, encore du matos. Je n'ai jamais récolté autant que maintenant. Salut à toi, Ouli. Comment tu vas? Bonjour, Ouli. Question de Benzaiten. Peut-on être logique en n'ayant pas de cerveau? Oui. Voilà. Parce que la logique dépend dépend de chacun en fait. Quand on dit je suis logique, je suis pas logique, bah, c'est pas forcément vrai. C'est le fait de suivre un raisonnement, mais ce dernier est-il censé? C'est ça. Quelle est la question? Je suis pas sûr que j'avais cet instrument là. Madame. Putain, mais c'est incroyable. Ah, j'ai pas. Toi, t'as essayé de me niaquer? Je reconnais. Il essaie de te niaquer. Oh. D'accord, c'était un truc organique. Et je l'ai truchidé. Une deuxième quête de fête. Je suis littéralement tombé sur l'ennemi. J'ai compliqué la logique, nous avons... Benjaiten, qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est où la bande à Basile là ou quoi? Putain, j'ai eu trois Pokémon différents d'un coup là. Wouh. Le problème, c'est ça le problème avec les... Quand les gens font des concours de logique ou quand ils font
Bah, des énigmes, tout simplement, hein, les jeux d'énigmes, comme typiquement, je parlais d'un, peut-être d'un des plus connus pour les plus jeunes ou pour ceux qui ont. Hein, c'est les jeux Captain Layton, par exemple. Enfin, non, pas Captain Layton, Détective Layton. Bah, il y en a, ils vont trouver des énigmes, les énigmes les plus dures, ultra simples. Bah, c'est tout simplement qu'ils ont la même logique que celle de l'énigme. Et peut-être qu'une énigme très simple, ils vont pas y arriver parce que c'est pas leur logique à eux. Donc chacun a sa propre logique. C'est ça qui est fou, c'est vrai. Qu'est-ce que pouvait sauver l'amour? Je suis toujours en quête du lieu de ma mort. Je vais devenir fou, je suis perdu. Quand je dis coup. Ah! Mal tombé lui. Je découvre des choses. Captured. Je sais pas, il y a des trucs bizarres. Wow. Mais ils sont combien? Moi-même, je n'ai plus d'énergie. Allez, j'ai assez fait de dégâts sur cette planète. Oui, j'ai à dire. Eh ben écoute, Wooly, ça va bien aussi. Et on est sur Starbound avec le sage depuis. Je sais pas depuis combien de temps on fait ça. Ça tous les samedis matin depuis, depuis 4-5 mois je crois bien. Oui je crois. Je montre si c'est pas notre 18ème épisode. J'ai entrecoupé par des samedis où on n'est pas toujours dispo du coup. Ouais. Je les compte quand je les dépose en archive sur mon YouTube, mais en direct je sais plus, je retiens jamais les comptes. Oh, pourquoi j'ai un nuage souterrain tel une machine qui génère de la vapeur? Tiens, bizarre. Surtout sur une planète comme celle-ci. Bon, bonjour Torota, comment que ça va Torota? La Jet dit, c'est pour ça que le QI calcule la logique et non l'intelligence. Tout dépend du test de QI. Oh, j'avais pas le joli tonneau. Oh, j'avais pas les bottes de foin au carré non plus. Ah! Cette agression de Pokémon. Alors, je vais aller à la base du sage. La base du sage. J'ai pas pu prendre des trucs. Pourquoi? Ah, merdoum! Encore un qui m'agresse. Alors que j'étais en train de fouiller des caisses. Alors. Oui, la caisse abandonnée. J'ai une clé USB augmentation de gravité. J'ai Bao. Alors ça c'est nul, j'en ferai rien. Ça par contre... Voilà. Bon, je t'ai déplacé un tableau dans ta cuisine pour pouvoir mettre autre un autre frigo. Ok. Ah! J'avais cru qu'il y avait un ennemi. Il se confondait dans le décor lui, il m'a eu. Il m'a fait peur. Voilà. Alors là, j'ai oui déposé des fruits. Mickey. Challenge the fruit, yoli. Et donc, La Jet dit, d'ailleurs, dans le film Forrest Gump, met bien en avant que le QI ne veut rien dire. Forrest arrive à tout faire ce qu'il veut. Merde, mais j'ai mon interface qui me guache la lecture. Pardon, ça saute. Tu vois, ce qu'il veut plus lentement, il le fait. Oui, merci, voilà, exactement. Oh, cahier-nous de... Fini, oui. Tiens, tu mérites un chat. Mon beau chat, tiens, voilà, c'est pour toi, Nayone. Miaou. On retourne... C'était l'interlude, miaou. L'interlude, miaou. Oui, je... Voilà.
tout est dit. Mon dieu. Je vois des choses sur mon chat. Je vois pas tout, mais j'en vois. Bon, mais je désespère à retrouver ma dépouille, moi. Elle était où, la zone avec le pétrolifère, là? Ah, je veux bien profiter du... Ah là là là. Allez, hop, j'embarque tout ça. Ah. Merdoum. Où suis-je mort? Je ne sais plus, je suis perdu. Oula! Je connais qu'ils vont me courir la nuit. Là, la nuit. La vie. La nuit aussi, hein, tu peux le dire, il fait nuit. Oui, dans le cycle des planètes, oui. Je... Mais où suis-je? Oulala, là, là je vais tomber dans les limbes, je vois pas le fond. Oulala, là là, qu'est-ce que c'est que... Oh, si je pouvais adhérer à la paroi opposée... Attendez, je vais me faire une amorce de... Voilà, d'adhésion au truc, à la paroi, qui plus est. Ah bah d'accord. Oh, j'ai encore découvert des choses. Mais c'est pas possible, je suis dans où, moi? Là, à nouveau, je suis dans une zone où il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'ennemis, c'est trop bizarre. Ah, ça y est, la vie revient. Oula, j'ai plusieurs emmerdeurs qui... Ah bah, ça y est, j'ai la bande à Basile, j'ai les trois d'un coup. Ah, j'ai gagné un steak, ça par contre, pour ma survie, c'est plutôt apprécié. Encore ? Oh la vache. Oh! Oula, je suis tombé dans une zone civilisée, à ma grande surprise. Ah, 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 ah! Ça a tendance à ressembler à l'endroit où j'étais avant ma mort, ça me plaît. Est-ce que j'ai... Ah bah non, je peux pas voir si j'ai pillé les caisses ou pas, puisque je viens de tout défoncer. Non, visiblement, la caisse là, je l'avais pas prise. Ah! Elle mérite de m'intriguer. Ça a le mérite de m'intriguer. Ce qui m'ennuie, c'est que je vois pas le pétrole. Il y avait du pétrole pas trop loin. Merdoum! Il a peut-être coulé plus loin. Ah, écoute, je sais pas, mais... Ah! Mon perso est pas assez athlétique. J'essaie de demander un saut de la muerte pas possible. Alors, attendez. Je vais ruser avec la roche. Enfin, du moins la terre. Voilà. Non, 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 ça ne va pas. Ça ne va pas. Merdoum. Mais les instruments, comment c'est possible? Ah. Je vais y arriver. Là, j'ai traces de civilisation, mais... Attendez, je vais me calmer, je vais me faire un petit feu de camp. Je vais me bouffer mes deux steaks durement gagnés. Hop là, quick, cuisson de steak. Il y a un accessible et tout élu. Ah! Oh! Une forge des enfers. Vous êtes sérieux, les gens?
Ah oui. Il les force dedans, en fait. Ah bah non mais... Ouais, j'en sais rien. Je prends une public à témoin. Non mais j'en ai une cette fois, hein. C'est pas mal. Du loot un peu de temps. Ici. On peut le dire, c'est chaud. C'est chaud, ça brûle. C'est chaud. Ah! Non mais là je suis descendu trop bas dans la... Je m'approche du niveau de la planète et c'est pas là ma destination. J'étais à une profondeur intermédiaire. Par contre, je fais toujours des récoltes de maboule Celeste Rêveur. Mais c'est pas vraiment... Salut Benzaï, merci de venir m'embêter dans mon chat aussi. Tu me fais penser à quelque chose, Benzaï. T'as bien fait de passer. Ah, Maria. T'as fait la pub au sage. Voilà. La pub. Et merci pour ton follow, Benzaï. Ah oui, Benzaï, tu vas apprécier le contenu de Petit Seb. Il fait pas mal de jeux variés, donc je suis persuadé que tu vas trouver ton bonheur. Moi, je crois que j'ai un peu trop kiffé les jeux que j'ai les jeux d'horreur que j'ai commencé pour Halloween. Ah, tu décroches plus, tu continues dedans. Ah ben, je l'ai déjà fini. Il est fou. Oui, c'est vrai que tu m'avais dit que tu l'avais fumé, Ebola. Alors, Ebola, je rappelle, c'est le plagiat de Resident Evil par les Russes. J'ai découvert il y a pas très longtemps et c'est flippant. Et c'est pas le virus E, c'est le virus... c'est pas le virus T, c'est le virus E, du coup. Ouais, pour Ebola, justement. Ouais, c'est... Enfin, bref. Alors, si je peux me permettre de parler juste un peu, c'est pas le virus Ebola en lui-même. On sait qu'il est incurable. Ah. C'est un dérivé. Manipulé par des scientifiques tarés, comme d'habitude. Voilà. Mais du coup, oui, je l'ai fini en deux streams. J'ai dû mettre à peu près 4 heures pour le finir. 3h30, 4 heures, un truc comme ça. Non, bah bravo à toi. Moi, je sais que Christella, elle avait pas mal galéré parce qu'elle était tombée sur pas mal de bugs. Et à un moment... Ouais, et puis en fait, il y a un moment, elle a... Moi, j'ai vu au moment où elle a arrêté. Ouais. Et en fait, ce moment-là, en fait, la créature qui l'emmerde, c'est le seul endroit où il y en a. Ouais. Il y en a que 3. Ouais. Et sauf que, en fait, elle avait pas assez fouillé le reste du jeu, on va dire. Uh-huh. Et parce que moi, du coup, je suis arrivé, j'avais un pompe. Et donc, les bestioles, je suis arrivé à grands coups de pompe et je les ai dégagées, quoi. Ouais. Bon, mais moi, je suis pas au bon endroit. Mais tu vois, j'ai un double post-it devant moi, qui est rempli de tous les codes, les énigmes, les trucs qui il faut retourner du jeu. Je me suis fait un papier parce que sinon j'allais me paumer. Pourtant c'est rare quand je le fais, mais sur celui-là, ouais, c'est assez... Ça te fait assez balader, et puis comme t'as pas de map, forcément. Ouais. Non, bien vu, bien vu. Oula. Ah, j'ai rien, steak. Ça, c'est bon, ça. Non, mais sérieux, il faut que je remonte, là, parce que... Alors, les torches, je veux bien... Ah, il y avait un module manipulateur, ça pourrait être Jay. Merde, je me suis TPE à loot post pour vendre deux trucs, et je sais pas vendu. Ah, c'est une nuit. Ah, configuration de la muerte. Ah, Benzaï, elle est de la vieille école comme moi. Oh. Elle s'est dit, regarde tes chuchotements. Chuchotements. Y'en a, elle m'a dit, chuchotements, mais de quoi tu parles? On se dit, bah TMP. On dit ah mais oui chuchotement c'est ce qu'on disait sur les premiers MMO quand ça s'appelait des chuchotements. Et après ils ont englisé le truc et ils sont passés à MP.
pour message personnel. Mais c'est les planètes. En fait, je kiffe les planètes de chasseurs de primes. Parce que c'est toujours des planètes avec un peu désertiques, avec des cactus violets. Te donne des fruits spéciaux. Et en fait, le problème c'est que ces cactus-là, tu peux pas récupérer leurs graines. Oui, de temps en temps, Benzaï. Il faut que je le monte. Cold Fear. Ça me dit quelque chose, Cold Fear, mais je sais pas si je suis pas sûr de l'avoir fait. Alors, attends. Je vais aller voir. La frousse du froid, Cold Fear. Je l'ai pas dans. Je l'ai pas dans ma bibliothèque Steam, donc j'ai pas dû le faire. Cold Fear, il a 5 euros. Alors, en 2005. Et ça, le gameplay, c'est comment? C'est comme un gameplay Resident Evil ou parce que j'ai l'impression que c'est plus une vue à la troisième personne où tu vises tout. Plus un gameplay à Daymar du coup. Ah, j'ai Red Christella qui faisait du RE7 hier, ça m'a donné envie d'y rejouer. Moi je me lasse honnêtement du RE7. Je l'ai vu trop souvent et il finit par me sortir par les trous de nez. Bon, je suis resté pour soutenir Christella qui est adorable. Ah oui, non mais moi de toute façon, alors là, enfin, pour les autres streamers, bon, de toute façon ils le prennent mal s'ils veulent, après moi je m'en fous, c'est pas mon problème. Hein, mais ça va bien de m'attaquer pendant que je suis pas sur le jeu là. Non mais saleté là. En plus c'est le mob que je devais tuer qui m'a, c'est lui qui m'a trouvé au lieu de l'inverse. Bah bon, il a pris deux coups de blaster du mecha et réglé. Du coup oui, je disais je déteste regarder les streams. Faudra pas m'en vouloir, la plupart du temps je suis en lurk chez les gens, je le regarde pas en fait. D'accord. Ah non mais je conçois, je comprends parfaitement. Ah alors, oui. Ça m'arrive de regarder des streams, mais très très rarement, et... Alors, si tu veux ni voir ni écouter, et juste conserver le clavardage, le chat sous forme de texte à l'écran, il faudra peut-être que je te donne une astuce de Twitch que j'ai donnée il n'y a pas si longtemps que ça à une autre demoiselle que j'embrasse qui est Alicette. En fait, c'est twitch.tv/popout/le-nom-de-la-chaîne/chat. Et en fait, t'as juste le chat de la chaîne en mode plein écran. T'as pas l'image, t'as pas le son, t'as juste le chat qui défile et tu peux interagir en plein écran avec le texte. Ça, c'est un truc qui pourrait peut-être t'aller en consommation. Et t'es compté comme un spectateur, en fait, j'ai vu dans la mécanique de Twitch. Donc c'est sympa. Je pense que c'est un mode de consommation et d'interface qui t'irait bien, petit Seb. En plus, t'économiserais des ressources de ton navigateur. T'aurais qu'à gérer du texte et non plus du contenu multimédia, ce serait tout bénef. Après, en général, de toute façon, je... Je sens que j'ai passé la matinée sur cette planète.
Ça tourne mal mon histoire. Est-ce que... Je suis retourné aux avalanches de Nonos. Ça fait peur. Ah, attends. Non. Sac. Ah. Des résidus de pétrole. Ça me plaît. Ça me parle. Des résidus de pétrole. Oh oui, je suis dans un biome pétrole au cœur de la planète. Ça sent bon. Je dois pas être très loin du lieu de ma mort. Merde, les enquiquineurs de créatures. Je peux, en fait, Benzaï, j'ai pas de style. Je fais ce qui me plaît, ce que j'ai envie, quand j'en ai envie. Mmh. Voilà. Ouais, dès que je l'aurai emménagé chez moi là, de toute façon je mettrai en place les avec les points de chaîne les marathons Resident Evil là où hop. Quand ils sont déclenchés, je fais que du Resident Evil jusqu'à ce que je les ai finis. Resident Evil. Non, il y en a un que j'aimais bien faire en boucle, c'était le quatrième premier du nom. J'ai quelque part, j'ai une sauvegarde de 4 tours. Donc je dois avoir au moins 2 flingues en illimité. Ce qui est drôle. Et je vous avouerai que si je devais vous refaire cet opus, je le ferais à partir de là. Hein, en étant les doigts dans le nez, avoir un flingue ou un lance-roquette illimité. Histoire de m'offrir un gros délire. Je ne prendrais pas la rigueur du début. Alors le 4, un lance-roquette illimité, c'est trop délire. Non, moi ce que j'étais arrivé à avoir le... à cette balle de Red 9. Moi le Red 9 c'est mon pistolet préféré. Et je l'ai utilisé pendant tout... J'ai économisé des balles pendant une partie en faisant justement des kills avec d'autres armes. Et ensuite j'ai fait une partie full pistolet. Je me suis éclaté juste avec le Red 9, à faire une partie complète juste avec cette arme-là. Y compris pour les tonçonneuses et autres. J'ai un peu galéré, il y a des moments. Ibi. C'est beau. Et Max Payne, je le connais, Benzaï, mais jamais fait. Comme moi. Strictement pareil. Je connais de nom, je me suis jamais lancé dans Max Payne. Je l'ai commenté pour une journée spéciale avec FunFan. Qui lui, alors je sais pas si je peux dire qu'il est fan, mais et il avait une envie particulière de le faire en une seule traite. Donc on avait pris une journée complète de direct. Et moi j'avais bossé comme un malade à avoir un commentaire, tenir l'antenne pendant près de 10 heures. Et bon, bref, c'est sur la chaîne de FunFan. Et je balance tout malheureusement... sur le jeu. Malheureusement, Benzaï, on peut pas tout faire. Il y a trop de jeux, on n'a pas assez d'une vie. C'est ça. Moi, déjà sur mon compte Steam, j'ai joué à peine un tiers des jeux que j'ai sur mon compte Steam, par exemple. Fouille. Bon, je vais essayer de remonter à la surface là parce que j'ai vraiment les poches pleines. Ce serait dommage que j'en... Mais t'as récupéré ton stuff ou pas? Non. Ce qui veut dire que je vais y retourner. Mais mets ton drapeau. T'as pas un drapeau sur toi? Si, c'est possible. Si t'en as pas, tu me dis, je me tais pas à toi, je pose le mien. Je t'en file un. J'ai 7 drapeaux. Ça oui, t'avais du lait. Sous-sol. Oui, mais tu peux que te TP jusqu'au drapeau, tu peux pas faire dans l'autre sens. X, voilà. Merci de l'astuce, petit Seb. J'ai un stag et 410 de pétrole, enfin d'huile. Pas mal ça. Ça j'en peux pas, ça j'en peux pas.
pas, et ça j'en veux. Ouais, j'ai mes champs à faire, j'ai ma ferme à faire, oh punaise. Moi aussi j'ai pas fait mon agriculture, ça me manque. Non mais je veux dire à vraiment build quoi. Ah. Et puis on n'a pas fait la tour qui monte dans la stratosphère d'une planète avec les dragons, les je sais pas quoi. Et les choukiniaki. C'est ça qui est beau dans Starbound, il y a tout à faire. L'univers est grand et potentiellement un jeu. Je vais faire ma base. Et ensuite, au-dessus de ma base, je vais faire l'ascenseur de la plateforme d'observation interstellaire qui monte jusqu'en haut. Putain, il me faut quelqu'un pour farmer les ressources. Hey, si t'arrives à le motiver, sans déconner, Edge, il te fait ça. Je suis sûr qu'il peut te le faire. Me farmer les blocs. Ah ouais, il fait tout, ce garçon, il est merveilleux. Mais d'ailleurs, on l'a pas encore vu ce matin. Bah, c'est lui qui fait grâce, Matt. Vous avez échangé, c'est ça? C'est ça. Non, mais faut être indulgent avec lui, parce que encore hier, il avait un rub. Il avait un rub avec de la toux. C'est moche. Oui, non, mais après, ça sent... Et puis, il vit en Normandie, alors la tempête, il en a plein la gueule. On compatit. Mais arrête, il y a plusieurs jeux qui ont eu des crashs, le serveur, tu pouvais plus jouer et tout, suivant la position où sont les serveurs, sûrement, ou suivant par où ça passe pour y accéder. Ah, j'ai pas vécu ça, moi. Enfin, moi, tu me diras, en semaine, j'avais plutôt des ennemis, on va dire, professionnels. Mais... Non, hier soir, j'ai vu que Bouygues était en PLS à l'échelle nationale à nouveau. Je plains les confrères techniciens réseau. Ça va être juste l'enfer. Runeterra, ça me dit quelque chose aussi, mais Runeterra, c'est un MMO, ça, Benzaï? Ou je me trompe? Ah! Pardon, je l'ai crié parce qu'il y avait des Pokémon qui m'ont surpris. Les jeux de cartes, c'est pas trop mon truc. Oh, j'entends un bruit. C'est un bruit de surface. Est-ce les oiseaux qui chantent? Et blablabla. Est-ce les oiseaux qui chantent? J'arrive plus à sauter convenablement. Oh, oui, j'entends des oiseaux. Bon, ici, les allers-retours, on défonce du mob. Non, je vais pas avancer, moi, avec ces quêtes de chasseurs de primes. Oh, il y a des champignons mignons. Que signifie? Je m'approche de la surface, je le sais. Oh! Oh! J'ai trouvé un temple des oiseaux. Un temple à viande. Oh mon dieu. Nice. Oh merde. Ah bah oui, ils sont là. Ah, ils sont pas contents que j'ai créé une brèche. J'ai profané votre temple dans vos gueux. Dans vos gueux. Tiens, par ricochet, je peux l'avoir. La logique voudrait que oui. Mais je n'y parviens pas. Attendu, je lui balance une bombe, il est mort. Yes. Oh mon dieu, il y a des choses dans leur temple. Non, j'en reviendrai plus tard pour profaner leur temple. Je suis un monstre. Creuse-moi ça, creuse-moi ça. On va atteindre la surface.
Oh, c'est beau. C'est très concentré en végétaux souterrains, mais ça fait une ribambelle, une jungle de lianes qui tombent en champignons. C'est trop beau. La chauffage de la planète et il pleut. Je suis ému. Avec des hommes champignons à la surface. Et moi, je me téléporte à mon vaisseau parce que je me vide absolument les poches. Bon. Ouh là là. Ça m'a fatigué parce que là je me suis TP jusqu'à un, enfin j'ai voyagé jusqu'à un système solaire pour rentrer dans un nuage de débris juste pour me dire bah en fait c'est pas ici et il faut repartir ailleurs. Rechanger de système solaire. Allez, la consommation de carburant pour les chasseurs de primes là, fou. Ouais, c'est la folie. Un peu. Oh, je me suis trouvé un lance-grenade légendaire. Wow. Ah bah je pense que c'est pas le système que tu m'avais enseigné. Tu cliques quand tu veux qu'elle pète à distance radiocommandée. Le truc complètement craqué. Alors je vais en profiter pour l'heure qui suit pour changer de tenue, comme j'ai accès à mes affaires. Au moins que j'ai une nouvelle allure. Oui, j'en ai marre de ce chapeau. Et puis j'en ai marre de me promener en pantalon jupe. On dirait presque un kilt écossais. Je veux changer. Il y avait des nouvelles Ouais, fringues. Star Citizen, il m'a pas spécialement hypé ni intéressé en vrai. Voilà, ça c'est mieux. Oui, tiens, une jolie tenue rouge. Tiens, j'ai quoi comme froc? Eh, c'est pas mal, ça. Voilà, je me suis changé. Bon, bah, on y retourne. Ah oui, non, on n'y retourne pas sans la bouffe. Vite, un peu d'agriculture, ce serait bien. Alors, je sais plus ce que j'avais. J'avais ma base. Ah oui, j'avais la base avec le jardin. Et une fois que je me refais plein de bouffe, je retourne dans la planète dans l'espoir de retrouver ma dépouille première de tout à l'heure. De mon début catastrophique, chaotique. Que la reprise me fût douloureuse. Voilà. Voilà. Mais là aussi, j'aurais pu me vider mes poches. J'ai mal fait le boulot, c'est pas bien. Alors, bouffe, 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 bouffe. C'est ça, je vais carburer à la bouffe. Ah oui, les graines de Bonobox. Putain, j'en ai 32! Oh! Je vais me faire un champ de plants extraterrestres, ça va être complètement craqué. Ah, oh, bonjour, Capitaine Morbide, vous êtes sur le balcon, qu'est-ce qui vous arrive? Vous voulez prendre l'air? Oh mon Dieu! Et en jouaille tout fou. Benzaï, elle dit tu devrais live à poil, t'auras pas besoin de t'habiller comme ça. Ibi. Sacré Benjaï. Sacré Je pense Benjaï qu'elle m'a Dev. demandé de le dire en disant il le fera pas. Elle est brute, elle est nature, le décoffrage. C'est bon. Ah, le. Ouah, des. Bon. Ça me rend tout fou. J'ai Oh, gagné je vais des lances de garder chasse. ça. C'est pas terrible en dégâts, mais c'est stylé. Je viens d'avoir un petit biche. Ça me fait penser à Half-Life, du coup, je le garde. Oh, tu m'étonnes. Je vais Va prendre un moment. falloir que je trouve d'autres caisses pour mettre mes armes. Ah, je t'avais fait des méga. Eh oui, il faut que je passe des méga coffres forts pour ranger mes trucs. Ça sera plus La simple. maga coffre folle de la moitié. Wow, la roche que j'ai ramenée, moi, c'est une hérésie. J'ai ramené près de 5000 de roches, c'est merveilleux. Alors ça, croyez-moi que c'est pas perdu. Bam, 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 bam. Voilà. Même la Terre, c'est n'importe quoi, j'en ai 50 milliards, c'est Et beau. du coup, t'es chez toi là? Oui. Oui, si tu veux venir, tu peux, j'ai quasiment les pages vides. J'allais repartir, justement. Donc je vais attendre un peu.
Alors, je vais commencer à savourer mes... J'allais dire mes biscottes. N'importe quoi. Non, mais je joue très mal. Je mets mes trucs partout et je vide mal mes poches. Enfin bref, c'est une horreur. On voit qu'il s'est passé près d'un mois sans jouer. J'ai perdu tous les réflexes. Les bons, malheureusement. Faut que je retrouve les bons réflexes. J'ai mes super flingues. Là, je vais mettre de la thune. Allez hop. Je me mettais pas au sage, mais il est pas là. Il est passé où? Ah, mais si, je suis là, excuse-moi. Je bouge plus. On reste près du piano. Tadam. Alors, un instrument, deux instruments, un klaxon, un document, deux documents, trois documents, quatre documents, cinq documents. Et un truc de méca que j'ai déjà. Waouh, merci. Oh la vache. Attendez. Ah, je l'avais déjà, le truc de méca, ma grande surprise. Alors, les bouquins. Au pire, tu le donneras à AJ. Ouais. AJ, il sait qu'il peut venir chez moi et tout piller. Enfin, tout, presque. Dupliquer, surtout. Ah, oui, bien. J'ai deux bouquins que j'avais pas du tout. Attends, il y a des notes que tu m'as passées. Je l'avais pas non plus. Oh la vache! Je sais pas où est-ce que t'allais trouver ces documents. Oh là là, quatre documents. Oh là là, c'est énorme ce que tu... Merci, petit Seb. Bah, en faisant les quêtes de chasseurs de primes, je chope des documents. Hein. Ah ouais, non, mais complètement, ouais. Complètement. Je suis à 18 coeurs de téléporteur. Wouah! Moi, je dois en avoir un symbolique et je suis heureux. Alors, 18. Oui, Dieu. Ah, attends, je dépose tes canaux pour pas les perdre. Est-ce que je peux repartir dans mon état actuel comme je suis? Oui, non, non, oui. Je vais m'amuser à déposer le tonneau, là, qui rigole comme deux. Ou je sais pas, mais... Ah bah tiens, là, je peux me mettre là. Je peux cuire de la viande, je vais pas m'en priver. La meume, je vais déranger de nuit, même en dégulaire, là, c'est une grande. C'est des méchants sur une planète de glace. Sur la disco avec le sage ce matin, dit Dorota. Oui, avec ma... Ouais. Oni, ma coupe afro. Certains diront affreuse. Et que le gauche dans la nature. Merde, je suis un abouti. J'ai oublié que j'avais le drapeau avec le X, comme l'a indiqué Petit Seb. Il faut que je joue la carte du drapeau X pour être au bon endroit. Voilà. Bon. Alors, ça sentait plutôt bon là où j'étais. Poursuivons. Poursuivons les investigations. Merde, j'ai oublié de préparer mes armes, je suis un abruti. Je peux créer des avalanches, c'est cool. Vache. Désolé monsieur, je passe par-dessus votre maison. Au final, je rentre dedans pour piquer votre thune. Salut. Ah oui, mais c'est complètement craqué le... Waouh. Dans les quêtes de chasseurs de primes, t'as aussi des monstres à tuer. Mm-hmm. Ils sont normalement au service du gang. Et là, le monstre que j'avais à tuer, il était... Godzilla. C'était un fantôme spécial. Oh. Tu sais, les chats fantômes, là. Ouais. C'était la version spéciale en mini-boss. Wow. Version spéciale, déjà, et en plus en mini-boss. Attends, moi j'ai des doutes sur mon équipement. J'ai peut-être un peu trop vidé mes poches, mais bon, tant pis, je m'en accommoderai. Aïe aïe aïe. Ah, entre les hiproutes, les reproutes, les méga proutes sur mon antenne, je sens que je vais vous préparer des trucs spéciaux. Ah là 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 là. Alors attends, là je reviens trop à la surface, je crois, non? Bon.
Oh, c'est pas mal. Bah alors. Beaucoup plus vite que ce que j'avais prévu. Des végétaux, je crois, être trop proche de la surface. Ah, j'ai gagné un autre flingue, on sait jamais. Toujours 7 prix. Alors attends, pourquoi... Ah! Mais ce flingue est trop bizarre. Remarque, l'ennemi m'a donné... Ah! Au secours. Non mais j'aime pas ce flingue, je sais pas l'utiliser. Oh! Encore un ennemi. Je vois des choses. Ah bah ça pourrait être Jay. S'il nous rejoint un jour. Non, j'espère qu'au niveau santé ça va mieux pour lui. Moi j'espère aussi. Rejoins-nous vite, petit EJ, tu nous manques. Pour l'exploration intergalactique de façon comique. Ah! Bien voir notre petit bleu à former, ça nous réjouit. Ah, merde, je me trompe de flingue. Oula. Je crois savoir que j'ai des poursuivants. Alors, je suis désolé Benzaï, c'est vrai que j'ai pas répondu à ta question, mais tu demandais comment ça se joue Oni, mais je vois pas de quoi tu parles en fait. Oni, la plupart, c'est ça, non, je ne sais plus. Excusez-moi. Oula. Ah, oxygène not included. Je l'ai, j'y ai déjà joué. Attends, excusez-moi, je vais me moucher un coup parce que je suis en train de choper. Ah, après, c'est un jeu de gestion, c'est pas forcément mon fort. Donc. Qu'est-ce que. Non, j'ai pas compris, là j'avais des merdouilles sur ma flanelle, je sais pas d'où viennent les merdouilles. J'aime bien, il est 10h, j'ai toujours pas mangé les deux que... Pardon. Croissant que je on me suis sorti. On entend tout en plus. Ah. Quoi? Ce midi c'est flageolet chez le sage. Non, ce sera pas flageolet. Ce sera cordon bleu et je vais essayer de me faire une salade. Aussi, je me suis acheté de la laitue avec un peu de vinaigrette toute faite et puis ça m'ira très bien. Oh merde! Là, je reconnais que j'ai mal réfléchi. Pour ne pas dire ne pas avoir réfléchi du tout. Et je me suis enseveli sous une avalanche débile. Oui, bah, je dois avoir en réserve dans une conserve de flageolets si c'est pas deux. Mais en général, alors c'est bizarre, enfin je sais pas, c'est psychologique de me dire que je sais que j'ai de la réserve de bouffe et c'est vrai que ça m'aide de temps à autre. Souvent je me fais une réserve de conserve de légumes quoi. En disant que c'est un joker.
parfois je me fais avoir ou je gère mal en semaine mon miam et puis je pourrais me retrouver à avoir plus rien dans le frigo. Or, parfois je suis dans des périodes où je peux pas forcément être libre pour faire mes courses. Pour X raisons. Je vous dis pas l'horreur si je peux plus manger. Et du coup, je mange toujours pour avoir plusieurs conserves de légumes en ration de survie, on va dire c'est comme ça. Et puis, je dois avoir au moins une boîte de flageolets quelque part dans ma réserve. Oh là 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 là. Ah ! Un Pokémon agresseur. Va mourir, vilain. Mais comment voulez-vous viser avec ce pistolet qui ondule au niveau du rayon? C'est impossible de viser avec ce machin. Même en se focalisant sur le curseur de souris, c'est pas droit, c'est. Ça rend fou. La visée est impossible. Je me demande si j'ai pas entre les mains le flingue le plus débile de l'univers. Ouais, je te rappelle qu'il y a un flingue qui lance des yeux qui rebondissent aussi. Oui, celui-là je l'aime bien, d'ailleurs je l'ai rangé et je le regrette. Parce que finalement il était bourrin, il était bien. Et je suis redescendu dans les catégories d'armes à feu là. Donc je finis par en baver. Bezaiten dit, quel homme prévoyant, si tu vises partout sauf le bins que tu dois viser. Oui, bah oui, ah, bah si, je moquais, oui. Oula, avalanche. Je dois chasser le chef de bande. Je finis par partir pessimiste, pourquoi? Parce que à force de générer toutes ces avalanches, je finis sûrement par enterrer le lieu de ma mort précédent. Et je vais jamais le retrouver parce qu'il est enseveli. Oh là là, comment je lui ai éclaté la tronche lui avec le lance-roquette, ça fait peur. Voilà, là j'ai encore un coffre secret. Hop, encore un manipulateur de matière, ce sera pour EJ. C'est pas comme si c'était le numéro 400 000. On va tous booster à fond et qu'on pourra vendre les manipulateurs de matière, on va encore se faire de la thune. Hein. Moi, je sais pas si ça se vend cher les manipulateurs de matière. Ah oui, il faudrait peut-être que je fasse des voxels moi aussi. J'ai un peu 28 000 sur moi. Oula, oui, t'as pas le droit de mourir, oui, ce serait dommage de perdre 30% de tong. Ah, alors je vais me mettre en sécurité parce que pour moi, excusez-moi, pendant 2-3 minutes, interlude de toilette. Et d'ailleurs, j'ai en profité pour regarder en revenant si EJ est pas. C'est pas manifesté à nous, du moins sur le Discord. Moi j'ai rien. Excusez-moi. Non, ça va, vous, personne n'a pas faim. Alors attendez, moi je regarde aussi. EJ. Il est en ligne. Live montage de Lego. C'est une bonne idée en vrai, mais. Parce que j'ai pas de cam, que je veux pas en mettre.
Ils sont tous plus agressifs les uns que les autres sur cette planète. Le petit TG a donné signe de vie. Attendez, je me rééquipe des oreillettes que je puisse entendre au moins petit Seb. Moi j'ai vu qu'il était toujours en ligne sur Discord et qu'il avait pas envoyé de message, enfin pas à moi en tout cas. Ah, Aeroster, bonjour Aeroster. Salut héros. Je suis plutôt un grand noob des jeux vidéo. Mais non. L'essentiel, il faut que ça aille bien. Alors, qui c'est qui m'a encore... Oh, pas mal l'animation de chat qu'a Nayone. C'est stylé. Bon, je regarderai brièvement si j'ai pas trace de EJ. Non, EJ doit faire dodo encore. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas eu de coupure d'électricité du côté de la Normandie, là. Enfin, dans son secteur. Parce que je sais qu'il y avait un... Il y avait des relances de tempête, là. Donc oui. J'espère que ça se passe bien. Bonjour Christella. J'espère que tout le monde va bien. Ouais, Aeroster va bien, c'est bien. Dans l'ensemble, tout le monde va bien, je crois savoir. Donc merci, c'est cool. Ah, alors, tout de suite le dire à Christella qui va être ravie. Nayone a signé pour demain après-midi à commenter la suite d'une promenade. Donc, d'ailleurs, demain, ce sera plutôt diaporama photo. Pendant un petit moment, puisque on va arriver sur le moment de la promenade où j'avais eu un incident technique avec la caméra et que Nayone avait eu la gentillesse de s'improviser paparazzi, histoire d'immortaliser notre périple. Comment tu vas, Christella? Ah, j'ai enterré. Ouais, lâche-moi! Tu vois pas que je suis en train de parler avec Christella là au lieu de m'attaquer toi? T'as pris un coup de roquette dans la gueule du coup. Oh joli! J'ai fait pareil avec une grenade moi. L'ennemi a rien compris. Quoi? Benzaiten qui dit Aeroster, c'est un créateur de jeux vidéo de métier, je crois. Pour moi, Aeroster a toujours été un littéraire, donc. Gardien de bibliothèques ancestrales, mais au-delà de ça, créer un jeu vidéo, je l'ignorais. Au moins, j'en ai pas connaissance. Petit Seb l'appelle affectueusement Grand Maître Hibou. Ah, tu parlais de Sir Thomas. Oui. Il a alors, ouais, parce que j'allais dire, je vais mal parler. Oui et non. Ce qui est délirant avec Sir Thomas, c'est un malin. Mais en fait, il a la renommée pour un jeu. Je sais pas honnêtement si on a créé plusieurs, mais je sais plus comment s'appelle son truc, son jeu. Le pire, c'est que je crois que je l'ai dans ma liste de sous Steam. Alors qu'honnêtement, je sais pas si j'y jouerai en fait, parce que c'est pas le genre de jeu que j'aime bien. Mais bon, bref. Je sais pas. Il a réussi à bâtir sa réputation sur une seule œuvre. Bon, bravo à lui, mais bon, bref. Ah, fut un temps, je le regardais, on va dire, plus ou moins régulièrement. Et puis arrivé un moment où il a fini par m'agacer, Sir Thomas. Parce qu'il avait la même mécanique d'animation et je trouve qu'il avait des répliques qui revenaient un peu trop souvent. Donc il a fini par m'assommer, en fait.
moitié de l'ennui, ce qui est triste. Et merci, t'es là. Et du coup, Sir Thomas, je le regarde plus en fait, depuis peut-être plus d'un an maintenant, peut-être deux, je ne sais plus. Oula, alors que j'ai un aéronef qui passe près de chez moi, vous l'entendez peut-être, il fait un vacarme d'enfer. Moi, j'entends rien. Le stream, je sais pas. Mais ouais, là, j'ai. Ouais, faudrait que. Je vais regarder parce que du coup, Ebola, j'ai pas pris que le 1, j'ai pris le pack avec le 1, 2, 3, donc potentiellement, je me lancerai sur les autres aussi. Ebola, Ebola. Le chat, twist. Moi, je crée du sel sur les jeux vidéo, nuance, dit Aeroster. Bah oui, les jeux vidéo sont pas assez compliqués pour Aero, il faut toujours. Qui trouve moyen de se les compliquer encore plus. Aïe aïe aïe. Mais bon, c'est notre maîtrise vous préférez, on dira rien. La 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 la. Ah, j'ai toujours pas retrouvé ma dépouille de l'accident de ce matin dès le départ. Je deviens fou. Mais c'est là où je vais finir par me rendre compte que c'est pas la bonne planète, le bon endroit et que je vais jamais retrouver. Par un haut hasard, je ne sais plus. Mais de toute façon, si c'est pas la bonne planète, tu pourras toujours retrouver sur la planète sur laquelle t'es mort. Hein. Ça despawn pas le spawn sur Starbound. Ouais, bah heureusement que j'ai pas 50 entrées d'index de téléportation, parce qu'il dit donc. Mais t'étais pas juste sur la planète en dessous de toi? Je ne sais pas, quand j'ai démarré, j'étais hors du signal de téléportation du vaisseau. Et j'étais au cœur d'une planète, amnésie, moi, je suis désolé. Il faudrait que je regarde mon ralenti de la dernière fois pour me rappeler dans quelle aventure je me suis fourré. C'est pas très pratique, excusez-moi du peu. Bientôt, tu vas commencer à faire la liste de toutes les planètes par lesquelles tu passes. Oh mon dieu. L'index qui rend fou. Oula. Wow. J'étais pas garanti d'avoir un fond. Je suis dans des endroits susceptibles d'être le bon endroit. Donc j'aimerais encore plus. Wow. Oh merde, on l'a un autre. Ah! Il y en a combien, bordel Oum? Oh oh oh, c'est moi ou j'ai vu un. Non, c'est un fossile que j'ai vu, d'accord. Oh, il y en a un autre. Ah, morphologiquement, ils sont tellement lourds qu'ils sont crevés. Waouh! Ah, je l'ai eu. Oh, encore un coffre. Ah, le contenu sera offert à AJ. AJ dont on n'a plus trace de vie. AJ, reviens-nous, tu nous manques. Ah, une avalanche. 10, 11, 12. Je cours, libérez-moi de là. Alors... Pourquoi je ne trouve plus rien? J'ai l'angoisse. Où suis-je mort précédemment? Oh! Oh, je regrette de ne pas avoir une Pokéball. J'ai un Pokémon ultra rare qui court super vite et qui est fait de glace. Et qui m'a... C'est les hommes roches. Bah là, j'avais un homme roche glaçon. Commence à l'affaiblir, j'arrive! Sérieux? Ah bah ouais, pourquoi pas. Ah bah, TP-toi à moi. Comment ça affaiblir? Comment ça affaiblir? Dur. Il est où? Il est en face, là où tu vises. Ah bah, ne me dis pas... Ah oui, il est là. Tu vois? Il va le faire, il va le faire. Ah, ça a merdé. Alors attends, il faudrait un petit coup de flingue pour l'affaiblir. Non, attends. Tu gères.
J'adore entendre tes ouah de gémissements, c'est génial. Et merde. Tu vois, c'est pour ça que je voulais pas lui tirer dessus. Bon. Ah, j'aurais dû tester ça là. Combien de dégâts les... Alors fais voir ma nouvelle tenue là. La nouvelle est Ténous. Oula, ce jeu. Et j'ai des stun grenades. Ah mais t'as pas vu ma super tenue. Non, pardon, je suis reparti au combat intergalactique avec 14 milliards de rochers de la moitié. Les rochers vivants. Je suis passé en dessous, je suis désolé, petit Seb. J'ai généré une avalanche. Attention à l'éboulis. Eh hey, mais c'est que moi pour repartir, ça va être la galère. Bah oui, parce que je sais pas à quelle profondeur nous sommes. Mais nous sommes en profondeur. Désolé petit Seb. La boule permet de grimper. Mouise intersidérale. Ah, il y a trop de Pokémon agressifs par ici, au secours. Je m'enfuis ailleurs. J'ai creusé au hasard pour remonter, j'ai défoncé un coffre en remontant. Ah, bah s'il y avait des choses précieuses dedans qui te plaisent, j'en suis ravi. Il y avait juste un upgrade module. Toujours ça de prix. Oula. Ouais. J'en suis à combien d'upgrade module? 45. Qu'est-ce que... J'ai ta avalanche de fou. Oui, les âneries que je raconte, Benjaiten. Oh, je ne sais plus moi-même, tu sais. Je me suis perdu dans mon avalanche d'âneries. Voilà, tout est dit. Aïe! Mais la technologie du saut de mur, la wall jump, qui c'est pas pour moi. Ça me guac mes sauts habituels et ça m'en fout. Ça me perturbe dans la technique du saut et ça va causer ma perte. Une porte de défi, allez, let's go. Voilà, moi j'en suis à avoir des portes de défaite là parce que... Ah, le Pokémon va être vraiment débarrassé. Du coup, je sais pas du tout quand je ferai Ebola 2. Je vais voir si. Si Jean-Eud et Maya sont dispo le vendredi soir. Et s'ils sont pas dispo le vendredi soir, je ferai sûrement ça le vendredi soir. Les Maya du vendredi soir. Ah, cadeau de chanté chez Bao. C'est quoi ces caisses? Ouais, bouf, de la tunasse. On voit que on a bien torché le jeu. Quand tu commences à être snobé par la thune et que t'en veux plus, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Incroyable, mais vrai, je snob la thune. Quand tu vois que je fais pas attention et que j'ai 28 000 sur moi. C'est quoi? Il faut pas que Jay nous entende, il va devenir tout fou. Je viens de choper un truc pour le dos dans le portail. Faudrait que je te le montre. Ah. Aérostère, il est en jeu du moment. Il fait. Oui, il s'appelle celui-là. Elden Ring. Elden Ring, voilà. Entre autres. Ouf. Ouf. Ah, je vais me faire reculer par mes ennemis, c'est horrible. C'est horrible. Ah, attends les mots. Lâche-moi. Et c'est bon, j'ai pu m'escaper. Oh, ce frangle est horrible. Alors, investigation. Ah oui, alors attends, déjà j'explose les stalactites. Et si je devais me remettre en boule collante, j'aimerais éviter de me faire piquer le cululu.
Cette tenue-là, je l'enlève. J'ai des suspicions de lieu de mort, là. Si je puis m'exprimer ainsi. Ah! Un ennemi cracheur de feu, encore un. Va mourir, dis-moi. Voilà. La jet dit des jeux SM pour la plupart. Concernant les rosters. Il y a un peu de ça. Connaissant la négation et l'acharnement, diront certains des rosters, c'est vrai. Mais chez Bao. Ah, Cuphead. Ah ouais. Alors pas le contenu additionnel. Mais alors le premier Cuphead, premier jus. Aerostar va être dithyrambique dessus. En plus, si dans Starman je suis amoureux de Nulu, il y a la waifu, la sirène au magnifique soutien-gorge en coquillage, noix de Saint-Jacques, là, dans Cuphead. Ouais, Cuphead, merci, qui est magnifique. Qui est vraiment, je trouve, un personnage charismatique et d'un féminin trop mignon. Non, je suis fou. Merde. Midoum. Ah, j'y arrive. Bordeloum. Ah, Gorgonella, merci. Je retiens jamais son nom à la malheureuse. Ariel, la petite sirène. Se moque Christella. Oh mon dieu. Le 23 manipulateurs de matière. La 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 la. Ah! B. Les frères stéréo. Ouais, si tu veux. Ouf! Ah bah j'ai eu la paix en un seul coup, la classe. Bon! Bah alors! J'ai fini par voir des cavités que j'ai creusées moi-même. Non, c'est les ennemis que j'ai crevé. Mais je retrouve pas le lieu de ma mort, c'est fou. Non, c'est la malédiction. Jay, reviens-nous. Moi, sur Cuphead, un truc me chiffonne, dit Bayzaten. Ah bon? Kezako, si tu pouvais développer ton propos, s'il te plaît. Tu as titillé ma curiosité. Oh là là, il y a encore des loustiques. Ah! Hop là! L'absence de barre de vie pour les ennemis. Ah oui, ça te bouffe d'être à l'aveugle au niveau de ça, ouais. Ah, il y a des jeux qui sont comme ça. Il y a des jeux qui sont comme des chats. J'ai déjà 50 000 pixels en réserve. Aïe! Me suis planté dans une stalactite. Bobo la tête. Ah! Non, je vais l'avoir, je l'ai eu. Poilou. Mais c'est fou ça, je retrouve pas l'endroit de ma mort. Mais je vais être condamné à errer sur cette planète en... Ah. RG. Oh, joli. Une grenade, 3 morts. Comment on rentre là-dedans? Ah, par le toit. Ok, pourquoi pas. Petit ébouli de... Petit, très petit. J'étais un ébouli symbolique. Oh, ça caille dans ce pays. La 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 la.
Ah. Oh, y'a rien là. Non, non, on voit que j'ai fait des excavations. Oh, 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 punaise. Ah. Ouch. Chasseur de primes, je suis à la troisième station spatiale. Ils vendent une puce. Oui. Qui donne un petit peu de lumière. Oui. C'est pour ton pack. Et augmente ta défense. Ah. C'est stylé. Mais où suis-je mort précédemment? Je suis en train. Et on est reparti à la chasse aux méchants. Ah. La chasse aux méchants, chachichi. Ça caille dans ce pays. Et moi j'aime bien le froid, ça me dérange pas. Oui, moi aussi, je suis content de retrouver le froid parce que là l'été il durait un peu trop longtemps à mon goût. Mais j'aime bien, c'est parce qu'en une semaine t'es passé de 40 à 10 degrés quoi. Oui, c'est vrai qu'il n'y a plus de transition douce, c'est vrai. Graduelle, ouais, c'est dommage. C'est pour ça que ça m'étonne pas qu'il y ait plein de gens qui tombent malades. Bah, y'a ça, puis des phénomènes météorologiques violents, malheureusement. Mais ouais. Non, moi c'est vivifiant. C'est terrible, hein, mais je me sens bien mieux en hiver qu'en été. En été, je suis zombifié parce que la chaleur m'assomme dès 20 degrés. Donc là, je suis chez moi, il fait 18 degrés. Certes, vous me voyez en pull, parce que j'ai pas encore allumé mon chauffage, moi ça me va. Je l'allume qu'à partir de... quand je suis en dessous de 16 degrés. C'est vous dire. Et là, je suis bien. Ah, je pourrais avoir l'année tout le temps comme ça, je serais heureux. Enfin, ça ne tient qu'à moi, hein, mais... Là, je me sens vif d'esprit. Là, je me sens prêt à faire des trucs. C'est dommage que j'ai un... Je sais pas pourquoi, depuis cette nuit, j'ai un air d'épaule qui me titille. Salut, Catafole. J'ai dû faire un faux mouvement. Je sais pas ce que j'ai fichu. La jet dit, j'ai allumé ce matin 14 dans la chambre, 16 dans la maison. Ah, ouais, c'est pas cool. Ouais, effectivement. Mais je pense que je vais pas tarder à vous rejoindre. J'ai la chance d'avoir une bonne isolation. J'ai des murs ultra épais. Putain, le mec, il y a 2 ans, qui m'a installé la fibre, il a halluciné. Il avait un forêt de perceuse, sans déconner, de 50 cm. Il a tout mis pour réussir à faire passer la fibre depuis l'extérieur. Là, je pouvais me vanter d'avoir une super isolation. Mes murs, ils sont épais comme un château fort. Ce qu'il nous dit pas, le sage, c'est qu'il vit dans un château fort. Bah, d'une certaine manière, on peut le voir comme ça, mais enfin, je veux dire, c'est ma chance, quoi. Ça, je ne peux que m'en vanter et je suis heureux. Parce que autant on était chouffre, parce que je garde à mort la chaleur, mais je la garde aussi la chaleur en hiver. Et là, c'est tout bénef. Là, je suis bien. J'ai toujours laissé ma... Elle est toujours éteinte, ma chaudière. Je l'activerai théoriquement que dans 15 jours. Ouais, pareil chez toi, la Jed. Ouais, mais c'est cool. C'est cool. Benzaitendi, mon arthrose dorsale me fait souffrir par ce froid. Ah, merde. Oh, la vache. Ah, dur. Ah, tu me fais mal, Benzaiten. Dur. Oula. Waouh, la giga avalanche. Non, mais c'est pas possible. J'ai dû passer plusieurs fois sur mes affaires d'avant. On est d'accord, les affaires remontent pas à la surface suite à un ébouli. Elles restent dans sandwich dans l'ébouli. Bah oui. Dans la comme les mobs jeu. Et comme le reste. Bah oui. Tout ce qui est en dessous de l'avalanche reste en dessous de l'avalanche. Ouais, bah je dois avoir ça quelque part parce que je comprends pas de pas retrouver mes... Aïe, je me suis fait avoir pour des stalactites à la con. Oh, puis là, il y en a 8 d'un coup. J'étais pas prêt de passer le barrage. C'est pas possible. J'ai dû marcher plusieurs fois à 50 mètres au-dessus sur mes affaires. C'est pas possible autrement. Je finis par retomber sur des couloirs que j'ai creusés moi.
Là, je retourne au cœur de la planète où il y a de la lave, je me trompe. Ah non. Ah oui, si, si, si. Il y a les premières forges. Donc, je pense pas être mort là. Ouais, ça c'est des forges, donc ça va pas. Non, 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 je suis mort plus haut. Je suis mort entre ça et un biome de pétrole. Dans lequel j'avais commencé à m'engluer, ce qui a causé ma perte. Là, il y a plein d'ennemis qui me cassent les bonbons. Donc je me barre. Ah non! Je fais une chute dans une crevasse, bordeloum. J'ai pas ce qui était prévu. J'étais pas dans le plan. Oh là 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 là. Ça, j'ai déjà. Oh non, j'ai pas défoulé non plus. Ouais, bon. Encore, il y aurait des modules de manipulation, je les prendrais pour Edge, mais là, c'est même pas le cas. Oh. Oui. Bon, là, j'avoue, je suis jamais venu. À ma grande surprise. Mais j'estime être trop bas. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un sac de pognon de banque en guise de sac à dos. Original. Money bag sacks. Sac, je sais pas comment on dit en anglais. Sacks. Pardon. S-A-C-K. Oh, un truc de diamant. Waouh, 4 diamants, magnifique. J'avais un truc à péter en étoile au sol, là. Le truc rare. Ça fait plaisir, 4 diamants. J'ai intérêt à revenir vivant de mon expédition. C'est pas comme si j'étais près du cœur noyau de la planète, une nouvelle fois. Oui, attends, j'ai raté mes âneries, j'ai remonté, puisque je sais délibérément que je peux pas retrouver mes affaires aussi profondément. Elles sont plus haut, les vilaines. Heureux avalanche. Ah non, ça va, c'était une petite avalanche. Alors, c'est Roman, coucou Christella, ça va. Il y a Roman qui demande. Ah! Je encore chu. Putain, mais c'est la folie. Mais d'où? Merde, je suis allé trop loin. Oula, j'ai une latence au moment de creuser la roche, je comprenais plus. Manipulateur de matière qui devient inefficace. Non ! On recommence comme au début du jeu. Non ! J'ai trop de frustration. Rage kit. Ah ! Oh ! Bah tiens, je guac, je sucre le coffre. Le coffre au cadeau. Bon, je finis vraiment par désespérer. Je sens que je vais remonter à la surface et que je vais abandonner ma quête. La larme à l'œil. D'avoir possiblement perdu plein de trucs précieux. Je suis dégoûté. Je garderai mon index en hit avec le drapeau. Et peut-être qu'au prochain épisode, je referai un... Du coup, je vais rincer la planète, en fait, avec cette frustration. Je vais tellement la rincer qu'elle va redevenir vierge avec moi. Hop là, je l'ai eu. Hey Jay, reviens-nous. Tu veux boire du café au lait? Fais bisous à Roman. Bisous Roman. À Canayout. Et c'est bien.
Ah! Je me fais peur avec tous ces ennemis. Ah! Tiens, tiens, une roche intéressante. Excavation. Pouch. Oh! Un coffre réquisitionné. Trop de technologie extraterrestre. C'est beau. Oula. Non! Ah! Je suis une épreuve d'escalade et il y a un Pokémon qui vient m'enquiquiner. Va mourir! Voilà. D'ailleurs, je vais ressortir le feu de camp pour me refaire du miam parce que au niveau de la santé, c'est pas top top. Ah, puis j'ai un steak qui est en train de moisir. Vite que je le cuise avant qu'il disparaisse. C'est comme ça qu'on fait. Hop, vous n'avez rien vu. Ah non, là j'ai fait un enchaînement de clics parfait, mais pour la cuisson. Pour le combat, revenez plus tard. Je suis pas bon. Mais la cuisson. Mes steaks n'y résistent pas. Oh non, il y en a un autre. Il y a un autre gros vilain. Oh, c'est une petite hache de merlouille. Est-ce qu'un jour je pourrais trouver une colonie pénitentiaire où les prisonniers ne sont pas tous évadés de leurs cellules? Oula, c'est trop demandé là. C'est tellement le bazar dans la galaxie que je crois pas. Oula, je fais comment moi? Oh! Toujours et encore. Ouche, mon réflexe. Hop là. Du bon usage du lance-grenade. Attends, il y a... Hop là. Ah, dommage. Hop. Ah non, j'y arrive pas. Dommage, dommage, dommage. Ah. Et hop. Oh, c'est dur d'évoluer dans ces... Ouch. Dans ces cavernes de la mosquée. Toujours et encore pour ne pas changer. Attendez, attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Civilisation. Ouais, bon. Le truc m'intéresse pas vraiment. Ah ah ah. En déclenchant l'avalanche, j'ai libéré une étrange cavité. Oula, j'ai enterré des ennemis là. Oula là. Ils sont morts dans l'avalanche, les malheureux. Puis c'est pas comme si c'était une avalanche de gravats bien. Waouh. Je les ai eus par ruse horrible. Oh, j'aimerais bien. Attendez, je vais me faire une accroche, voilà. Une accroche boule adhésive. Ah, il y a du monde au-dessus. Oula, 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 j'ai un comité d'accueil. Alarme! Ah! Mais hey, j'ai trouvé un nid là, c'est pas possible, arrêtez! Reculez! Bande de démons! Non! Non, moi j'ai tout cru! Ah tiens, un diamant. Les prisonniers se font pas chier. Hein. Ont des diamants et tout là. Aïe. Ah c'est fou la avalanche. La avalanche que j'ai déclenchée, j'en reviens toujours pas. Oula! Je suis dans la gueule du monstre. Joli. Oh merde. Merde, mon flingue. Énergie! Ah, ça va, je peux attendre, il n'y a pas de...
Y a pas d'ennemis. Ah, encore une trace de civilisation. Ouais, ça sera pour Edgey. Oh, je suis en route vers les 3000. Rien qu'en tuant les ennemis et en pillant les caisses. Oh, une porte de défi. Je suis fou. J'accepte le challenge. C'est là où je vais tout perdre. Oh, ça change un peu. Au moins, ça vous varie ce que je me mets à l'écran. Je culpabilisais un peu. Un peu beaucoup. Ouh là là, j'entends des bruits qui font peur. J'entends un truc à énergie, mais alors qui pétarade à donf. Ah! Il y a un rebelle dans la salle d'épreuve, donc ça va pas, non? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Mange de ma grenade de radio commandée. Viens ici, vilain. Oh, il n'aime pas mes... Il aime pas. Je lui ai fait bobo. Oh, toute cette lave, c'est horrible. Attendez, je mange le steak, je me soigne. Ouh là là, quelque chose nous dit que j'aurai besoin de pansement. Je sens que je vais me faire bobo. Je la sens pas du tout, vu ma maladresse légendaire. Alarme. En rythme, en rythme, en rythme, en rythme, en rythme, en rythme. Il y a un saut à la noix, il y a un ennemi, qu'est-ce qu'il fout là? Qui tombe dans la lave, dans les limbes, il va me... Ah bah bah gabug, je suis pas dans le rythme, il faut que j'avance plus vite, ça monte, pourquoi, je comprends pas, oui, si c'est l'arrivée. Oui, j'ai réussi! C'est bizarre, le dire en rythme, en chantant, ça marche. Ça m'a aidé. Ah. Il y avait pas un coffre là-bas? Si, je crois. Attends, je peux pas marcher là où il y a de l'énergie, donc faut le faire à la boule. Oh, il y a une entourloupe. Il y a une entourloupe. Ah, ah, je triche. La fin de faire le speeder cochon. Je grimpe au plafond. Ah. J'ai vu une structure, un point pyramidal. Et là, je suis à la porte de sortie. Donc déjà, je peux avoir le trésor. Oh non! J'ai un chapeau ours en peluche. Trop bien. Ma tête est dans une gueule d'ours. Trop trop bien. J'adore ce vêtement. En plus, ça me va bien avec l'ensemble que j'ai là. On dirait une racaille mignonne des cités. Yo. Ouh là là, c'est trop bizarre. Mais attends, il y avait un coffre là. J'ose pas y aller. Je m'enfuis, j'ai gagné. Alors je reviens où? Je reviens à mon point de... Oui, je reviens dans la grotte, ouais. Quoi? Ah, c'est parce que c'est un fossile, oui, d'accord. Oui, je reprendrai les fossiles un peu plus tard. Surtout que j'ai reposé mes pinceaux dans le vaisseau, alors... Enfin, du moins, même chez moi, d'ailleurs. Non, mais c'est triste. Pour aujourd'hui, je renonce. Je vais retourner dans le vaisseau, essayer de faire une quête à Nulu, me préparer pour les grands combats. Ah, et Jack, il dit « Salut, j'étais très fatigué hier, donc je me suis réveillé il y a une heure seulement. » Non, mais l'essentiel, c'est que t'ailles bien, et déjà, on se posait la question. J'étais un peu craintif que la santé te fasse un mauvais tour. Mais c'est bien si tu as récupéré l'énergie. C'est l'essentiel. Tu nous rejoins. Ouais, parce que le sage était en train de pleurer parce que t'étais pas là depuis tout à l'heure, alors. Oui, j'étais larmoyant depuis 9h du matin. Oh, il est où notre généraux? La fougue de la jeunesse me manque. Oh, l'énigme. Oh, voilà. Du coup, je le prends mal parce que moi aussi je suis jeune, mais voilà. La jeunesse n'a pas d'âge. Pablo Picasso. Voilà.
tout ce que j'avais déclaré. Ah là 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 là. Parlons sérieusement, parlons bien. Alors, petit Seb, t'as déjà choisi ton EHPAD? Le mec pend. Ah ouais, il joue comme ça, ok. Violence! Violence vie quotidienne. Ah, c'est horrible. Alors, ce charbon, je veux qu'il dégouline sur moi, je veux me doucher dedans. C'est une ressource qui ne peut se refuser à moi. Ah, ah, je suis prétentieux dans mon excavation. Oh, oh. Ah, pas ce Pokémon-là, Crasher. Vilain Mollardeur. Vilain Mollardeur. Oui, j'entends la pluie de la surface de cette planète. Ah, qui me rendra fou. Que je reviendrai samedi prochain, essayer de retrouver mes restes. La 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 la. La 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 la. Oh, je vais y arriver, oui. Ah. Ah bah c'est marrant, je crois que je suis revenu à mon point de départ au niveau de la surface de la planète. C'est fou, ça. C'est fou, c'est fou. Et eh ben, le moins qu'on puisse dire, c'est que je suis pas revenu les poches vides. Vache! Encore une excavation de gros maboule. Oh, je me suis lassé de cette planète. Je vais aller ailleurs maintenant. Je vais me préparer pour le grand défi de Nolo. Nolo. Tch-tch-tch. Nolo. Tch-tch-tch. Oh, la jolie mariée! Ha ha! Alors, instrument de musique. Oui, j'en ai trouvé un autre. Oh, on va te couvrir de cadeaux si tu te connectes, Jay. Bon, tu vas te doucher dans la ressource, tu vas rien comprendre. Tu vas passer du niveau 0 au niveau 10 000 en un coup. Même moi, j'ai des manipulateurs à te donner, je sais plus quoi en faire. J'avoue que là, tu peux récupérer pas mal. Oh, j'ai... Oh là là, j'ai des graines à planter tout partout. Oh, je vais faire une heure d'agriculture aussi. Quelle heure il est? Il est déjà 11h, c'est scandaleux. Il reste potentiellement que 2 heures de jeu. Ah, pourquoi? Ah, ma tête à la banane. À la tête à banane. Ah, mais j'aime bien le nounours. Je reprendrai la banane plus tard, je veux garder la tête nounours. La tête nounours? Trop mignon. t'as vu ça, Edge? Je t'avais prévenu, hein. T'as trop manqué au sage. Bah oui. Alors, Attends. Lit à base de non-os. Ah, j'avais pas le schéma. Merde, j'ai appris à faire un lit en os. Et B. Halloween. Attends, je crois que j'ai même pas tous les manipulateurs de matière au même endroit, mais j'en ai déjà 8 pour AJ, c'est beau. Non, mais cours pas non plus, AJ, je te mets faussement la pression, hein. Tu arrives quand tu le souhaites, mais... C'est vrai que je vais être en joie de te retrouver quand tu pourras te connecter à la vocale et au jeu. Comme on dit, plus il y a de fou, plus on rit. Ah, ah, et comme disait Coluche, moins il y a de riz. Et oui, il faut se partager la bouffe, pardi. Ah, c'est vrai que j'ai mis un mur là. Attends, je sais plus ce que je fais. Non, je vais me téléporter chez moi. Au secours. Oh là 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 là, je veux le défi de Nolo. Faut que je trouve mes meilleures armes pour relever le défi à Nolo. Attends, il... Nolo. Nolo. Toujours t'en prêter une d'arme, hein? Oui, je sais, merci. Éventuellement, mais c'est surtout qu'il faut que je retrouve mon fameux lance-nanaï. C'est vrai que mon lance-nanaï il faisait mal, et puis comme j'ai tout balancé dans mes... Dans... Ah! Captain Morbid, qu'y a-t-il? Non, rien de neuf. Ah, bonjour, Fun Fan vient d'arriver. Alors, attends.
attendez. Tac, 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 tac. Oh, et j'ai pas mal de matos à vendre, hein, dans ce que j'ai pillé de la planète, dis donc. Hmm. C'est joli, là, ce que j'aime ramener. Ça laisse rêveur. Ouh, beau numéro. Les ressources que j'ai à traiter. Salut, fun fan. Alors attends, j'ai 50 milliards de bonibo là, je vais vider mes poches au niveau des de la bouffe. Je vais brûler le frigo de ce truc que j'ai trouvé en à outrance dans la planète. Merci de me donner plein de trucs. Je t'ai donné deux schémas de méca. Ouais, j'ai vu les inscriptions. Et t'as vu, je t'ai mis un frigo chic là avec des trucs dedans. Ah oui, le truc métallique. Ah oui, le truc à cactus. Merci. Oui, on en fait de la boisson qui donne de l'énergie. Merci, merci. Ah bon, moi j'en fais des grenades à fragmentation. Alors il y a ça, et tu peux en faire une boisson qui donne plein d'énergie. Donc dans tous les cas, c'est ultra utile. Mais bien vu, merci, ouais, c'est pas perdu. C'est ce que je te disais, c'est tu les trouves que sur certaines planètes, et tu peux pas planter les graines des arbres, donc... T'es obligé de... Je veux relever le défi de Loulou. Oula, oula, j'ai intérêt à passer à mon four atomique, j'ai vu que j'avais 162 fragments d'or, rien que ça, ça vaut le coup. Wouh, 162, tu vois. Ouais. 80 lingots. Oh ben. Attends. Oui, mon four atomique me propose 81 lingots. Non mais c'est bien, c'est pas perdu. Mais c'est 2 minerais pour un lingot, donc. Mmh. Wouah, 90 barres de bronze, 15 de fer, avec ça 122 barres de d'argent, les 122 lingots d'argent. Wouh, tranquille. Et il me restera du tungstène. Allez, tungstène, je veux dire 40 au pif. J'ai pas regardé les chiffres. Oh la vache, 130 lingots d'argent, presque 122. Et tungstène, j'avais dit 40, j'en ai 126. Oh bah ça va, 126 lingots de tungstène. Wouh. Bon bah j'ai pas perdu ma journée au moins. C'est bien l'excavation en furie là pour essayer de retrouver mon premier cadavre que j'ai toujours pas retrouvé. Mais c'est indexé, tant pis, ça pour la prochaine. Quand je vous dis que je vais complètement piller et aseptiser cette planète à force de la retourner dans mes profondeurs. Je crois que j'ai battu un record, sans déconner. Record d'excavation. Je retourne dans mon vaisseau, ranger tout ça dans le container principal sécurisé. C'est pas comme si je centralisais mes ressources là-dedans, les plus précieuses. Bon. Pom, pom, pom. Les 4 diamants en plus. Oh, merveilleux, j'ai trop bien joué. Hop, je retourne dans la base. Bon, il faut que je retrouve mon équipement, moi, pour relever le défi. Ah, hâte de retrouver la belle Nolo. Mais qu'est-ce que j'ai posé? Posé mes flingues où dans ma... Oh, mes locataires qui veulent me gâter. C'est quoi le cadeau? C'est du pognon. C'est quoi le cadeau? C'est du pognon. Et puis pas qu'un peu. 450 d'un coup. Wouh, merci les gars. Je suis riche. Attends, j'ai déposé quoi là? Non, j'ai déposé mon fric. D'ailleurs, je ferais bien de recommencer le cycle parce que j'ai 3000 sur moi du coup. Ah, César Connected. AJ nous a rejoint. Et c'est ça qui est bien. Merde, mais où est-ce que j'ai déposé mon arme principale moi? Je fais n'importe nawak. Non, c'est pas là.
Ah. J'ai eu trop peur. Coucou Jay. Comment ça va? Bah bien, et toi? C'est sur toi que vous demandez, t'es complètement rétabli de ton rhume? Ah, le rhume a plu. Ça va. Voilà. Mais la toux reste forte. Ah merde. Ah, c'est chiant ça. Voilà. Ouais, mais sinon, ça va mieux. Faut que tu boives des boissons qui piquent un peu et qui rincent le gosier. Avec plaisir. Bois du jus de piment. Voilà, tu seras comme un dragon. Qu'est-ce que j'ai fait de mon arme? J'ai vidé mes poches avec une frénésie telle que je retrouve plus. Quoi? Benza qui dit... Ah là, t'es naze. Oui, j'arrive même plus à te lire, là. Ok. Oui, bah... Je suis navré, Benzaïten, je sais plus quoi te répondre. Je te souhaite juste de pouvoir te reposer, peinard, dans ton plumard, si tu peux. Je ne sais pas, je suis pas à ta place. Toujours le même souci pour moi, espérer pouvoir vous divertir avec mes âneries. Elle est où ma machine à pixeliser les sous-sous? Ah, moi je croyais que tu cherchais la machine à âneries, alors elle me posait la question. Ah. Pourquoi il me bloque la porte, Captain Morbid? Mais oui, mais... Ah oui, bah tu gagnes porte au nez, Saligo. Malpoli. Voilà, là je peux sauver mes sous-sous. 3 x 1000 sous-sous. Allez, coffre à tunas, en plus. Ah, je suis riche. Banque. Qu'est-ce que c'est que ces schémas que m'a donné Petit Seb? Je le connais déjà. On va les donner à Edges si je connais. Ah, ça je connaissais pas. Bonjour Edges. Tiens, t'as gagné un truc Edges. Si j'arrive à le lancer, visiblement non. Ah merde, parce que je suis en interaction avec un coffre. Je vais retrouver la touche pour lancer les objets. Minute papillon, ne désespérez pas. C'est... Voilà. Ça c'est pour Edges. C'est un schéma de méca, je sais pas quoi là. Alors, les trucs pour toi, mon cher Edger, regarde-moi. C'est trop trop bien. Ça, ce sera pour toi aussi. Non, ça c'est à moi. Oui, ça j'ai... voilà, tac. Et il faut que j'aille te chercher mes manipulateurs dans mon vaisseau. Bouge pas, Jordan. J'ai une... un camp de... de méchants avec mon chasseur de primes là. Il y a une petite soucoupe volante. Oh. Ah, j'aimais bien mon lance-flamme. Je veux bien le reprendre pour le défi à Nolo. Oh. Alors je prends l'arc. Non, je désespère pas, j'arrive, Edge. Attends, du coup, parce que j'ai pas mal de trucs à te donner, finalement. Je suis en train de voir que... Ah, non. Mon équipage qui allait me dire vous voulez changer la tenue. Non, je veux pas, rester en robe de mariée. J'ai trop drôle. Attends, dans le container, là, j'ai quoi pour Edge? Je regarde. Ah, pourquoi j'ai rangé ça là? Moi, je suis fou. Ah, tiens, j'ai un vêtement trop bien pour toi, Edge. C'est un vêtement qui, justement, suit le mouvement de ce que tu fais. Voilà, ça, c'est pour Edge. Voilà, j'avais tout balancé là comme un sagouin. Ça, c'est pour Edge aussi. Ah bah tiens, tu vas pouvoir en vendre un parce que je l'ai quasiment en triple, machin. Ça peut servir pour Edge, peut-être qu'il l'a pas. Ouais, le reste, je ferai le tri. D'autres containers, blablabla. Oh, c'est quoi ça? Ah non, c'est un super fossile. J'ai cru que c'était un chapeau, non, faut arrêter la déconnade. Si je commence à porter des fossiles en guise de chapeau, je vais mal finir, moi. Il y a des trucs, j'ai trop bas. Non, j'ai complètement... Plus tard, ce déguisement, ça me rend fou.
Alors, je retourne chez moi à la rencontre de... Bah tiens, je vais me téléporter à côté de Jack. Teleportation to Caesar. Where is Mr. Caesar? Ave! Alors... C'est scandaleux comme on va te gâter. Regarde-moi ça. T'en as 16 d'un coup. Oh. Ah, je te dis, tu passes du niveau 0 au niveau 10 000, là. C'est en une seule fois. Merde, attends, c'est je suis pas encore passé. J'ai failli lui donner mon arme. Oui, je sais pas, il y a peut-être des trucs que t'as déjà. Que mais excuse-moi, je jette du mauvais côté. Enfin, c'est mon perso qui devient tout fou. Voilà, tout ça, c'est pour toi. Ok. T'en fais ce que tu veux. Oui, j'ai encore un petit rangement à faire dans le vaisseau et puis je vais aller voir Noulou. Bonjour, grand défi. Ah là là. Alors, le défi à Noulou. Le défi à Noulou. Là, je mets le lance-flamme. Là, je mets l'arc avec les flèches. Ah, Noulou, t'es où? Je suis prêt pour ton prochain défi. Moi j'ai relevé que le premier de défi. Il y en a trois je crois avec Nolo, je me trompe. Je sais plus. Ouais, tout ce que je sais c'est que je voyage dans une soucoupe volante. Ah, monsieur le baron. Ouais, on les flingue avec Esther. Écoutez, il y a un endroit où j'arrive pas à rentrer. Ah, Noulou, my love. Ah oui, je suis prêt. Le défi de Noulou. Oh mon dieu. J'ai vu des choses, beaucoup de rochers. Bonjour monsieur. Alors, dans l'inferno, attention, les dégâts de feu avec leur Pokémon. Pourquoi j'ai une aura argentée, moi? J'ai une bénédiction de Noro, là, ou quoi? Enfin, bon, bref. J'ai l'heure du duel. Oh, elle est trop stylée son épée, j'adore. Son épée laser feu là, elle est trop stylée. Tu vas la prendre dans la tête, elle va être trop stylée. Aïe. Oui, ah, oui, je suis en train de me faire allumer là. Non, il y a trop de Pokémon, je vais mourir dans le feu. Il abuse avec ses Pokémon l'autre. C'est de la triche. Je suis déjà mort une première fois à Sniff. Je sais plus, j'ai fait banque, hein. Oui, j'ai fait banque. Ça me rassure. Ah. Bon, au moins j'ai plaisir de voir Noro à chaque fois. Mais hey, je me suis vraiment fait un truc à l'épaule, moi. C'est pas possible. Comment je suis arrivé à me blesser ou me coincer un nerf de l'épaule en pleine nuit? Quand même fou. Il me fait marrer avec son canard en or, l'autre. Bon, bref. Allez, go, deuxième service. Oui, il avait raison. Pokémon, machin, feu, terrible. Je confirme. C'est la guerre! Viens, vilain, viens! Merde! Ça y est, j'ai déjà plus d'énergie. C'est pas possible. Ah, merde, j'ai mis le pied dans la lave. Le truc à pas faire. Ah non, mais c'est pas possible. Il est impossible à patater, lui. Ça. Ah.
Heureusement que je peux faire la boule gluante parce que je gagne du temps en fait. Non mais il y en a combien? Mais c'est pas croyable. J'ai vu une flopée d'au moins 4 Pokémon, si c'est pas plus. Oh non, j'ai pas le temps de faire feu, ils m'ont trucidé en sandwich. Oh là là, cette frustration ultime. Oh, je l'ai retrouvé, ça je l'ai retrouvé. Je ne te comprends pas là non plus, Benzaiten, je suis désolé. Qu'as-tu retrouvé? Ah, Galaxy Express 999. Galaxy Express 999. C'est un excellent générique, ça. Bam 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 bam. Je ne désespère pas, je vais gagner à force. À force de persévérer. Et lui, il a combien d'énergie, lui? Il est complètement craqué, en fait, le mec. Là, là il y a 4 Pokémon. Ah, oh, il est pas insurmontable le stick. Hop. Bien géré, alors que ma santé... Oui, je crois que j'ai trouvé la bonne technique. Elle va être chiante à suivre à la lettre, mais... Voilà, là j'ai évité des 4 chutes, lui j'aimerais qu'il meure. Sauf que j'y arrive pas. Et non mais alors là 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 alors là ils m'ont neutralisé mais alors puissance 1000. Aeroster dit exact, j'adorais cet animé. Ouais. Je me souviens que du générique que j'aime chantonner, j'ai même plus d'image de l'animé. À l'époque quand je regardais j'étais gamine, j'y comprenais pas grand chose. Ouais. Non mais au moins jamais regardé. Fait rêver, je sais pas ce que c'est. Si moi j'ai dû voir, mais je m'en souviens plus. J'ai dû voir, mais si j'ai retenu le générique, c'est que j'ai dû voir des épisodes. Jay, tu fais quoi? Je suis à ma base là. In your base. Ok, je vais passer de voir du coup. Yes. Puis de nieu. J'ai une boule de quoi? Je vais réussir, Nourou. Oui, Nourou. Je réussirai un jour ton grand défi. Ah, j'en pleure d'émotion. C'est reparti. Allez, on s'accroche à tout ce qu'on peut, mais on s'accroche. Un autre conseil, peut-être? Non. Évite de te faire toucher. Méfie-toi de ces animaux de compagnie qui gèrent le feu à la perfection. Mais on voit que c'est de la persévérance parce que je reviens pour une énième fois et là les Pokémon sont à l'agonie. Donc je finirai bien par les neutraliser et, à force. Peut-être, peut-être. Alors... Akami, c'est dur ce site que j'ai. Je l'ai retrouvé en version française ou sous-titré version française, ouais. C'est bien. Oh putain, il y a le top routier qui m'a suivi. On a genre 29 trucs de module et 12 trucs de tech. Ah, 12 trucs de tech. Hop. Merci. Voilà. Avec ce que t'as filé le sage, normalement, t'es refait. Exactement. Bah... Oh, j'irais pas dire que t'as tout déverrouillé, mais tu dois pas en être très loin. Ah bah, j'ai la puissance à 300%. J'ai les 6 cases. Ah! Bien, bien, bien.
merde. Oh, ah, j'ai compris. Ok, si je suis en cours de dommages dégâts, tu n'as pas le droit de faire ta transformation en boule spéciale. Voilà pourquoi je suis pas parvenu à m'extirper du gangbang. D'accord. Ah non, mais écoute, quand t'as 6 ennemis qui te tabassent, on se croirait dans un plaquage au rugby, là où il y a la mêlée. Va te sortir de là, c'est l'horreur, quoi. Je comprends mieux. Non, sur le coup, je finissais par douter. Je dis, c'est moi qui joue mal, là, ou... mais non, c'est la règle du jeu. Aïe, aïe, aïe. Le méchant est sur une planète acide. Ouch. Je monte tous les escaliers. Allez, énième service. Ah bah non, là, le mob qui a repris de l'énergie, c'est quoi ça? Ça y est. Mais non, mais... Oh là 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 là. Et le problème, c'est qu'il est pas sur l'île de départ. J'ai envie de pleurer. Ah, j'avais pas vu. Il y a des générateurs de monstres, en fait. Oulala. Ah, je croyais que j'avais un nombre défini de... Mais non. Ils peuvent se régénérer, les Pokémon de feu. Ah non, mais là, faut que je reconsidère l'arène de combat. Là, je suis dans la mouise. Ah, merde. Un coup de main? Bah... normalement, j'aurais refusé parce que je suis censé tout seul finir par réussir à être digne de l'épreuve. Donc non, c'est merci, mais surtout que c'est une épreuve, on va dire, optionnelle. Donc ça me bloquerait encore dans le jeu, je dis pas. Bon, je sais qu'il y a un trophée derrière, mais non, je suis censé réussir. C'est juste que là, il faut que je reconsidère mes options de combat là. Est-ce que combattre les ennemis de feu par le feu, c'est une bonne idée? Pas sûr. On va voir. Ouais, bof. Ah, problème. Ah bon? Allez, tout le monde à la flotte. Le wall jump qui m'a tué. Il faut que on peut désactiver les technologies. 9-3-2-6, il y a quelqu'un qui peut me noter ça dans le chat, s'il vous plaît. 9-3-2-6, dans le chat de Petit Seb, s'il vous plaît, pour lui. 9-3-2-6. Code alerte intergalactique, 9-3-2-6 est mis par Petit Seb Live depuis une planète inconnue. Ah mon dieu. Bon, moi j'y retourne. Ah bah merci Funfan, merci pour lui. Merci beaucoup. La 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 la. Je vais être fou, je vais y aller à la méthode traditionnelle des Floranes. Je vais y aller avec l'arc de sage de chasse, pardon. Avec l'arc que je sache. Aïe. Alors il va falloir vous mettre d'accord parce qu'il y en a un qui m'écrit 9-3-2-6 et l'autre 9-2-5-6. Alors je les ai attaqués à l'arc traditionnel Florane, mais je doute de l'efficacité du truc. C'est triste quand même. Hop. Non, ça non, ma technique est pas valable. Ma technique est pas valable, il faut que je change de stratégie. Ou du moins de tactique. Comment je peux faire ?
Mon lance gneugneux est ma meilleure arme que je sache. Après, une fois dans l'arène de combat, comment je gère? Bon, est-ce que dans le chat ça reste 9, 3, 2, 6. Si c'est resté dans le chat, heureusement. Désactive le saut de mur. Wall jump, c'est pas pour moi. Je déteste le rebond que j'ai quand je suis contre un mur. Moi, je m'attends à adhérer de manière flasque et le rebond, je ne l'accepte vraiment pas. Bah, pourquoi il n'a pas tiré cet abruti? Oh, eh. Y a pas quelqu'un qui veut se TP à moi? J'arrive. Moi je peux pas, je suis dans l'arène de combat de Nolo, je suis désolé. Tu vas m'aider à tuer un mob, Edge, tu vas voir, c'est très très drôle. J'arrive. Vas-y, tire-lui dessus, tire-lui dessus. Alors là, je suis désabusé. Il faut que je revienne plus fort, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe par ici? Voilà, j'entends la guerre. Qu'est-ce que... Attends. Mais c'est du... Vas-y, délire. Le sage. Tire. Tire. Attends. Comme ça. Mais qu'est-ce... Non, la soucoupe, c'est moi. C'est le mob qui est en dessous qu'il faut tirer. Ah, pardon. Ah bon? Ah oui. T'as pris une petite soucoupe des pingouins. Comment t'as fait? C'est incroyable. Elle était là sur la planète. C'est un gars que je dois chasser dans les chasseurs de primes. Les mains en l'air. Bonsoir. Bye bye. Salut. Quel étrange. Putain, mais je voudrais tellement la même en vaisseau, quoi. On a celle de survie. Oh, je veux faire du jardinage. J'ai du surmenage là de mes aventures intergalactiques, je veux jardiner. Hein? Je me sens mieux. Hop. Là. Attrape ça. Ah non, j'ai rien à cuire. Attends, j'ai des aliments sur moi ou pas? Pas vraiment. Ah, t'aurais dû scanner, il y avait un truc à... un clavier à code. Ah, un digicode. Ouais. Je vais retourner dans le téléporteur, j'arrive. C'est vrai que j'ai pas pensé à numériser X chose, j'avoue. Merci du signalement. Enfin, signalement. Oui, si on veut. Oh mon dieu! Merci. Oui, là. C'est ici que ça se passe. Merci, monsieur. On peut essayer ton joujou, te plaît? Ah bah vas-y. Mais de toute façon, je peux pas l'emmener, il reste sur la planète. Ah d'accord. Moi aussi, je peux te tracter. C'est fou. Waouh. Je peux te remettre où je veux. C'est dingue, ça. Bon, je te laisse évidemment en liberté. Alors, est-ce qu'il y a des trucs que j'avais pas? Oh, NJ, tu es prisonnier. Elle était ici, ah là. Là où je... Assassin. Là où je suis, là. Ah, volante. D'accord. Putain, mais c'est fou. Oh, ouais, vas-y, viens, NJ. On joue à tir sur les aliens. Non. Ouais. Bande de vilains.
Il est où? Je suis au-dessus de l'océan. Oh, je coule! Au secours! Eh ouais, parce que tu peux voler qu'à une certaine hauteur au-dessus de... du sol. Je suis en larmes dans la soucoupe. Au secours, c'est un piège, je vais mourir. Je vais sonder l'océan. C'est vrai en plus. Moi, je vais sonder ailleurs. Hein. Ça a l'air d'être un peu la merde par ici. Ah mon dieu, je vois des choses. Et oui, il est utile. Alors, ce qui est très con, c'est que je peux voir, mais je peux pas agir. Oh, j'ai capturé une méduse. C'est rigolo. Ah non, oui. Le relief sous-marin est trop rouge. C'est douloureux. Méduse, je capture la méduse. Tu es prisonnière. Je vais... Oula. Ah, c'est vrai que l'entrée est par-dessus ici. Ah. Ah. Stabilisation, descente. Oh, deux méduses. Oh. Je collectionne les méduses. Tiens, je les libère là. Elles vont se reproduire. Ah, je viens de gagner 5500 pixels. C'est bien ça. Tiens, gros poisson. Avec moi le gros poisson. Ah, oh, j'ai une vie passionnante. Oh merde, je l'ai lâché. Le relief l'a sauvé de mon rayon tracteur. Oh, un coffre. Vite, au secours, je veux sortir du truc. Oh, ça valait le coup, dis donc. Ah bah j'ai bien fait de faire l'idiot au fond de l'océan. Bon, pardon, mais je laisse la machine au fond de l'océan. Elle est diabolique. Quelqu'un ira retrouver l'épave plus tard. Peut-être un commandant Cousteau de l'espace, je sais pas. C'était rigolo. Mickey. Donc, je disais, je veux labourer mes champs. On y croit. Agriculteur. Moi, je me disais que j'irais bien embêter le sage. Comment ça? Que signifie? Oh, ce wall jump. Il faut que je désactive le wall jump. Ça m'en fout. J'en veux pas. Ernest. Ta 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 ta. Plantation de ch'ticalotte. Tuk 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 tuk. J'ai trop de bouffe. Non. Cuisiner d'abord. Cuisinons d'abord. Jus de carotte. Ce choc est bon. Ah oui, mon dieu, mais non, mais c'est affreux, parce que j'ai perdu mon riz, mon cacao dans ma première mort, moi. Du coup, ça me flingue mes recettes. J'ai plus ma base d'avant, ça craint du boudin. Eh oui, qu'est-ce que... Il m'a englué dans une substance blanchâtre inconnue. Ah, je suis enfariné. Qu'est-ce que... Il est fou. Mais qu'est-ce que c'est que ce dispositif de ma boule? T'as fini de me mousser, oui. Ah, cette chantilly. C'est littéralement un spray à glu. Wouah. C'est incroyable. Ah, je me rends fou. Je m'enfuis. Je m'enfuis dans mon déguisement de bisounours. De l'espace. Ouais. Ah. Non, il est trop rapide. Au secours, il me martyrise. Ah, j'ai éteint la torche, c'était un accident. Oh là 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 là, puis j'ai ma... Laissez-moi faire mon agriculteur. Ouais. Attends, il y en a un qui en a pas profité. Oh, mon champ de blé, il est tout sec. Non. Oh, le riz aussi est tout sec. Au secours. Il s'escape. Ah non, mais sérieux, là j'ai des trucs à faire en agriculture, mais un truc puissance 1000.
Je pense que je vais finir mon action du jour là-dessus pendant une heure. Là, je vais faire que de l'agriculture parce qu'il y a quelque chose à faire. Niveau rendement, il y a un potentiel monstrueux. Mais... J'ai pas rangé du liquide-pain. Voilà, je me suis amusé à engueuler tout le monde. Je me casse. Ah. Vigurie de secours. Cuisine, risotto, à moi la richesse. Bah, à la base, c'est marqué balancer un sticky foam, je sais pas ce que ça veut dire, pour ralentir vos ennemis. Bah, moi, j'ai ralenti les alliés. Ralenti les alliés pour tester, ça marche bien. Bon, je vais stocker ça avec toutes mes armes cheloues. Non, c'est une arme unique, faut qu'elle aille là. Voilà. Mon coffre à armes unique est rempli. Si seulement on pouvait mettre des panneaux dans les coffres pour savoir ce qu'on a rangé dedans. Ah. Bah, il y a suffisamment de design de coffres différents pour que... Normalement, oui. Quand tu regardes leur dénomination, voilà, il y en a un pour les pocketballs, il y en a un pour les armes, il y en a un pour les fringues, il y en a un pour les je sais plus quoi. Papapa, pidipipou, pidipipou. Oh, le boxon sur ma planète. Ah, le confort d'avoir installé un mini métro. Ah, faut que j'en descende quand même. Il pleut ici. Alors, d'ailleurs le bonnet beau je le vends là parce que après il faudrait que je retrouve le cacao parce que je vais en faire banana split moi avec les bananes. Attends, surface, j'avais du sucre qu'il faut absolument pas que je perde. Ah là, il y a des ananas, c'est précieux aussi. Voilà, ouf, me voilà rassuré. C'est déjà mieux. Ah, non, j'allais dire j'ai gagné un plan, mais non. J'aurais adoré avoir un plan supplémentaire, mais nope. Oh oui, c'est une base ennemie avec des réservoirs de carburant. Oh, il va tout faire péter façon Michael Bay. Non, tu rigoles, je récupère tout. Vu ce que ça consomme de faire. Là, je viens de récupérer 2150 de carburant. Oh. Ah, et j'ai pas fini de tout récupérer. C'est bien. Alors attends, je récupère les bananes après. J'ai la banane. Ah, la torche. Ah oui, j'avais dit que je mettrais des lumières électriques aussi. Marre de mettre le feu ancestral. Hein, bon. J'ai le droit à la modernité, moi aussi. Alors. Ah, pas mal. Attends. Ah non, je me mets à rêver que j'ai des graines de toute mûche, mais non. Nope. Le jeu est pas si généreux que ça. Oh. Je me disais bien que c'était un vilain piaf. Vilain va mourir. Ah, ils étaient deux. Merde, j'ai agressé quelqu'un qui a eu un... Oh, dommage collatéral, désolé. Oh, la portée de mon arme est... Bah ouf. Voilà, ça fait peur. Ah, du relish. On dirait une accordichon, ça, non? Hop, jus de carotte. Jus d'ananas. Mmh. Ah, 10 popicorn. Le retour du sacro-saint popicorn. Alors, vente de ça. Ouais, tant pis. Le piment, je le vends aussi. Allez, hop. Je sais que je peux le coupler avec je sais plus quoi d'extraterrestre pour le vendre cher, mais tant pis. Bon,
Je vais à la station intergalactique, là, parce que... Ouais, mais je comprends pourquoi il faut les chasser, les méchants, là. Vu tout ce qu'ils ont comme arsenal, c'est normal, hein. Moi, je demande à me faire retirer le saut de mur. Le wall jump, c'est pas pour moi. Retirez-moi le saut de mur. J'en peux plus. Ça me rend fou. Ah oui, il vendait quoi, lui? Oula, oui, c'est très particulier, lui. Oula. C'est pour plus tard, pour moi. C'est pour plus tard, ouais. Ouch. Ah, j'en étais où, moi, dans mon... Non, attendez. Ah. Ah, d'accord, je peux acheter des... D'accord, d'accord. Oui, l'agrandissement du vaisseau. Mmh. Ah, voilà le monsieur qui m'intéresse. Je veux retirer le wall jump. Vire-moi le wall jump. Il est où, ton machin Je veux retirer le wall jump. Comment on fait? Au secours. Ah, c'était là. Excusez-moi. Oh, non, vire-moi ça. Comment on fait? On peut pas le virer, le wall jump? Il faut que t'en prennes un autre. Ah. Bah le multi-jump peut être pas mal. Non, t'as cassé mon tank. Saleté de bestiole. Bring dash, sprint, dash. Sprint peut être pas mal. Ah oui, le spike, mais je change pas. Ah oui, d'accord, merci, j'avais oublié. Ah ouais. Ah oui, ça fait du bien de pouvoir sprinter. Alors attends, j'ai de la thune. Oh oui, j'ai de la thune, mon dieu, j'ai 3000. Qui et du coup, au niveau des compétences, de tech, t'as tout débloqué ou pas? Ah, je crois. Oui, je crois, hein. Il me proposait tout. Tout sur les 4? Ouais, j'ai 3x4. J'ai les 4 sphères, j'ai les 4 dash, dont le sprint que je viens d'activer, et j'ai les 4 sauts multi-jump, rocket-jump, plus-jump, wall-jump. Donc en fait, on peut tout donner à EJ. Chebao. Bon, je vais déjà tout donner à EJ. Mais... Moi, pas tout, parce que j'étais dans le doute. Donc à l'occasion, qu'on se revoit, je lui redonne. Je vais m'acheter une machine à vendre express. Le Space Amazon, là, c'est trop bien. Bonjour, monsieur Pingouin. Touk. Mon jardin. Oh mon dieu, il y a un humain en habit de chantier, il fait dans le BTP, bâtiment travaux publics. Voilà, pour vendre rapidement. Ah bah non, j'en ai un sur mon balcon, je suis bête de machine à la sortie de la cuisine en plus. Bon, c'est pas grave, c'est pas perdu. Je vais ranger le machin là-dedans. Non, pas ça. Ah ça, c'est important par contre. Elle est où la machine que j'ai achetée? Ah, elle est là. Bah. Mm-hmm. Oh, j'ai des choses. Je le vois à l'écran. Alors, tuk. Attends, la bouffe. Non, il n'y a pas bouffe. Petit peu cacao. Oui, le blé aussi symboliquement. Alors, les graines, comment je vais gérer les graines? Les graines, j'en ai beaucoup là. Merde, j'ai jeté mon arme, je crois. Je suis un abruti. Tout va bien. Wouhou! Les graines. Là, j'ai rien mangé. Là, c'est le cadeau à Petit Seb avec les cactus. Avec les cactus. Ah oui, j'ai les 14 milliards de graines bizarroïdes. Et je crois que j'en ai qui m'attendent dans mon vaisseau, dans le conteneur à la cave. Vérifions. Oui, là j'ai des graines de blé. Ah oui, non, mais il faut que j'en fasse de l'agriculture. Là, j'ai trop de graines. Il faut que j'exploite et que je rentabilise, là. J'ai un rendement potentiel beaucoup plus gros, là, maintenant. C'est le bonheur. Dans les pas graines, j'ai une armure de chevalier complète. Là, j'ai une meumeu qui est prête à donner du lait parce que je l'ai pas trait depuis des mois. Merci. C'est fait. Elle repart dans les bois.
vaisseau. Je vais voir des choses précieuses dans mon vaisseau. Des choses précieuses dans ton vaisseau. Oh oui. Non. Ah oui, tiens. Technologie. Oh, je crois que j'ai les moyens d'agrandir mon vaisseau. Tiens, on finira sur l'agrandissement du vaisseau. Parce que j'ai 11 modules de transformation et je sais qu'il me faut 40 000 pour acheter une licence et j'ai largement les 40 000. Je dois avoir 80 000 en banque, je crois, le double. Ouais, même les 11 modules, ça suffirait pour la dernière amélioration. Ouais, tant mieux. Moi j'en ai 35, je sais plus, bref. Si jamais il en manque, c'est pas ça le problème. C'est bien. Attends, moi je collecte mes graines. Dans mon bazar organisé, où est-ce que j'ai des graines? C'est pas des graines. Oh, le monsieur il a un chien. Trop bien. Ouais, je suis tombé sur un groupe d'humains. Avec leur van. Ah oui, je les ai vus une ou deux fois. Oui, c'est rigolo. Les campeurs de l'espace, là, ouais. Qui sont humains. Non, j'ai plus de graines. Je les ai toutes sur moi. Encore que le doute est permis. J'ai pas... Merde, mais j'arrive plus à sauter. Mais... Ah oui, parce que c'est un multi-jump, mais il faut que je m'excite maintenant, c'est vrai. J'ai changé de mode. Ah, un codex que j'avais pas. Non, je crois que j'ai pris toutes les graines. Il ne me reste plus qu'à vérifier mon bar à bord de mon vaisseau. Mon bar. Oh, j'ai du mal avec le nouveau saut, dis donc. Dur. Ah oui, j'ai encore des graines. Alors attends, j'ai de ça. Le codex que j'avais pas, et B. Waouh, mais j'ai de tout, moi, c'est la folie. J'ai même du maïs à planter, dis donc. Là, j'ai de la viande. Là, j'ai des ananas. Là, j'ai du coton. Waouh. Incroyable, mais vrai. Eh ben, trois codex que j'avais pas dans le même campan. Oh, GG, bien joué. Alors. Mon problème. C'est que là, il va falloir que je creuse au milieu de leur campement. Ah, oui, effectivement, ils vont pas être contents, je crois. Allez, bah ouais, mais le gars que je cherche à appréhender, il est sous leur campement. Ah. C'est des complices, t'arrêtes tout le camp. Il va falloir 10 cellules de prison. Le mec, la plus grosse bavure policière de la galaxie. Oh, it's a porridge. Un petit porridge. Je vais le manger parce que mon perso a faim. Oh, incroyable. Mais là aussi, j'ai des graines. Non, mais il faut que je démultiplie ma surface de... C'est impossible, là. Je peux pas... Ou alors, comment je fais? Oh là 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 là. Alors attendez, ça c'est les graines extraterrestres. Ça c'est les baies. Le riz, ça va pas être difficile normalement. J'ai des ananas, c'est ça? Non, des pommes de terre. Oh, quel idiot je fais. Je confonds des pommes de terre et des ananas. Tout va bien. Là, j'ai des carottes. Ouais, bien, ça se ressemble pas du tout. Oui, non, mais on. Hein? Bon. Ça fait longtemps que j'ai pas eu cours de biologie. Oh là 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 là. Non, mais des baies, j'en ai. Bon, je vais délocaliser les plantes de tomates parce que là, j'ai tellement de baies à fruits que. Voilà, donc du coup les tomates vont se retrouver là. Là j'ai les ananas, là j'ai le sucre. Là j'ai le cacao, là j'ai je sais plus quoi. Là j'ai le raisin, là j'ai le maïs. Ah, maïs j'avais. Ah, pomme de terre. Ah. Alors il y a trop de trucs, mais c'est mal organisé. Merdoum.
Pommes de terre, ok. Le riz là-bas, j'avais un surplus de riz. C'était après le blé que je peux encore planter. Là, il y a du... Oh là 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 là, oui, non, j'ai un... Oh là 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 là, c'est une banane. Non, mais c'est... Oui, non, mais c'est le bazar. Voilà. Alors, ici, c'est du café. Le blé, je vais pas avoir assez de place. Il va falloir que j'élargisse mon champ de blé qui va faire 4 portions. C'est très bien. Moi, je suis parti pour en avoir 5. Qu'est-ce que je fais? Oh, non, j'ose pas péter. Là. Je me suis fait un tout petit peu tirer dessus par les autochtones. C'est bon. Légèrement allumé. Oh, j'ai pris une seule balle et après j'ai sauté dans le trou que j'avais fait au milieu de leur campement. Il y en a un qui a sauté avec moi, cet imbécile. Aïe, aïe, aïe. Ah bah, c'est du joli. J'ai rangé ça. Est-ce que j'ai de la place dans ce frigo? Ouais, j'ai des fruits aliens. Allez hop, tiens, j'en mange un. Les fruits extraterrestres. Voilà, ça arrose bien, on en profite. Non, mais il va falloir que je fasse des champs d'agriculture ailleurs. C'est beau, hein, c'est une bonne nouvelle que de se baigner dans la richesse. Mais non, non, là, il faut que je fasse un deuxième jeu d'agriculture, c'est pas possible. J'ai trop de plans. Autant rentabiliser tout ça. Tu fais ce que t'as besoin, le reste, t'y vas ? Ouais, mais je suis... Tant que j'ai une graine, je vais la planter. Donc, quitte à ratisser planète et autres planètes, tu sais, je finis par avoir des plantations qui sur des kilomètres et des kilomètres. Après, tu cours dedans, tu te douches dedans, tu... Le bonheur. Tellement qu'il y en a. Alors... Déjà, je vais faire de la cuisine avec ce qui est comestible. Et je m'acharne dans mon histoire de... Quoi ? Captain Morbin qui disait un truc sur le sujet des jeux vidéo, j'ai pas le temps de le lire. Il avait été parti dans ses pensées et j'ai pas le temps de lire la phrase. J'ai vu le mot video games. Pardon. Ah, Spooky Pie. La tarte qui fait flipper. Ça rapporte pas mal à la vente. Ah, le café au lait. Excusez-moi, je m'étends sur toutes les jambes, là. J'ai mal à... La circulation sanguine, pour moi, c'est pas bien. Minute papillon. Je me réinstalle dans mon fauteuil, confortablement. Et ben voilà. Comme tu dis, et ben voilà. J'ai la machine de vente de soda, la machine de vente de snack. Ah, t'as tous les distributeurs ? Ouais, j'en ai un de chaque, mais ils vendent la même chose. Enfin, celui qui est marqué cola dessus, en fait, il vend 3 objets. Et la grosse machine, elle vend 2 objets de plus. Et les 3 autres, c'est les mêmes. Mais oui, j'ai récupéré. C'est bon. Oh, les bananes, je les ai mangées beaucoup. Ah oui, mon perso va commencer à avoir faim. Bon, alors attends, j'ai mangé une part de tarte qui fait flipper. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Mais ça, je ne m'en pas de faim. Peut-être fermer la porte, c'est pas comme s'il pleuvait dehors. Alors, la planète, comment je gère? J'ai pas ma houe. Bon, de toute façon, il faudra que j'égalise le terrain avant. Elle est où ma houe? Bon, c'est facile à faire au pire. J'aurais gardé la houe dans le vaisseau. Ah, ils sont là, c'est du storage ça. Mmh. Ça c'est le jeu.
Ouais, je vais confort du métro, hop. Ce qui me bouffe, et c'est j'ai récupéré, tu sais, les... Oui. Ah, plus tard, les... Oui. Bon app, FunFan. Les réservoirs jaunes, là, que tu trouves dans les vaisseaux où il y a de l'essence dedans. Oui, les containers. J'ai réussi à en récupérer. Ouais, c'est bien. C'est parce que je sais pas si tu peux les imprimer, Si, je crois. Si, normalement, tout ce que tu... Si. Tu vas pouvoir te faire plein de containers à flotte. Ouais, bon là j'en ai récupéré 8, ça suffira. Déforestation. Comment se présente le relief? Oula, il y a de ces bestiaux qui m'attaquent. Vive le lance-flammes. C'est horrible, c'est un carnage, c'est efficace. Ah merde. Là, c'est atroce à la vitesse à laquelle je rôtis tout le monde. Ça fait peur. Allez, déforestation à donc. Je vais faire des champs d'agriculture à gogo. Donc, oh merde, j'ai mal. J'ai laissé la souche moi. Ça va pas. Je vais pas pouvoir. Petit, bon appétit. Si vous passez à table, vous allez faire votre pote en cuisine. Oh, déjà midi, c'est pas possible. Ouais, et moi je cours pas, putain. Mais je finis cette deuxième vague de. Profond, là. Je vais passer te voir, je pense. Mmh. Porte ça et j'ai. Total déforestation. Déforestation. Ah bah voilà, je vais aller au niveau du. Magnifique. Ah oui, c'est une bonne base, ça, le coup du portail. Voilà. Je sais que mon champ, hop, je le fais comme ça, Max. T'as pas encore de téléporteur sur ta planète? Non. Ah, ça, c'est embêtant parce que... C'est du coup, t'es obligé... Bah, il est obligé de laisser son vaisseau au-dessus s'il veut y revenir. Ah oui. Bah, il a même pas un petit fanion. Ah, remarque, oui, si t'as ce qu'il faut, tu peux te faire un flag. Normalement, tu dois pouvoir dans. Ouais, tu dois danser dans ton craft personnel. Tu dois avoir le flag de ta race. Moi, j'ai le Nova Kid, mais toi, tu dois avoir le tien. Revenu fabrique Copper Bar. Ok, bah, je vais voir ça. Alors dans mon chat, mon cher EJ, il y a Nayone qui te salue et qui te demande comment tu vas. Ah, salut Nayone, ça va mieux. Mais encore c'est un peu malade. Ouais, voilà. Eh ouais, la fiche. Maintenant le sage. Ouais, je suis en train de... Voilà, oui, je t'en prie, vas-y, je suis en train de préparer mon... Voilà, merci. Les futurs champs. Ça, c'est que des bouquins que t'as pas normalement. Oh la vache! En fait, tu m'as déclenché un succès. Merci, petit Seb, le fait d'avoir 100 bouquins uniques. Waouh! Un succès Steam. Regarde. Je regarde. Ah, ça se met pas. Non, ça se met où? Ah non, ça se met sur la tête!
Ah bon? Le truc pour faire avancer les ânes. Je la veux, je la veux, je la veux, carotte. Je la oh veux, mon Dieu. Je la veux. Mais ce chapeau est complètement délirant. Eh bien, oula, t'as les cornes de Belzébuth. The Motivator. Oh, mon Dieu, mais c'est pas vrai, ils l'ont fait. Ah, oh, j'ai l'air très con, moi. C'est encore pire avec pour ton moi que pour toi. C'est ça exactement, en tête de givre. Oui, c'est ça. Pour l'agriculture, ça motive. Merci, petit chef. Je te le laisse, c'est cadeau. Ah oui, là, tu peux. On est dans le thème. Agriculture, là, la carotte devant moi, c'est... c'est ça. Voilà, ça, c'est fait. Enfin, attends, je vais pas reboucher tant que ça, parce que théoriquement, je vais refaire un métro, moi, du coup. Je vais automatiser la bête. Ah, j'ai fait des bêtises. J'ai encore 15 000 de thunes sur moi. Faut vraiment que j'apprenne à faire mes voxels parce que. Bac. Comme on dit par chez nous. Oula. Oh là là. Faut que j'abatte toute cette montagne. Ah, attends, lui, je vais Je peux pas le faire indéfiniment, le petit son, on est d'accord. C'est complètement craqué. Si je bourrine à mort... C'est trois petits sauts, oui. Non, que t'as pris. Ouais. Ouais, moi, j'ai gardé le double saut, c'est aussi efficace. Bah, je trouve que le trois petits sauts, faut s'habituer, mais c'est un avantage. C'est-à-dire que tu peux mieux doser, et si tu gères bien, tu te prends des dégâts de chute. C'est plus graduel, on va dire. Oh là, viens-moi toute cette mode de terre, cette colline va disparaître. Terrassement. C'est aussi ça, Starbound. C'est du terrassement planétaire. Ouah, destruction de rochers. C'est énorme. Ah merde! Oui, il faut que je me nourrisse peut-être. Oups. Oui, alors attends, les 5 croissants de bananes. Ça nourrit bien une banane? Ah non, c'est la déception. Il faut vraiment faire des produits finis. Les produits de base, ça nourrit pas. Attendez, je reviendrai après. Qu'est-ce que je peux me faire comme miam? Ouais, avec le chocolat, je vais me faire des. Banane au chocolato. Ça va mieux me nourrir. Banane de feu de camp. Voilà, ça c'est beaucoup mieux pour l'énergie. Voilà. Il fait le plein de sucre, mon robot. Alors, Nayone qui s'adresse à Edger en lui disant « Remets-toi bien, prends des vitamines et une petite balade à l'air frais. » Et Nayone continue de dire « J'ai ce Starbound, mais j'ai pas la motivation de jouer à ce jeu. Mais vous me direz que je ne sais pas ce que je manque. Peut-être qu'un jour... » Ouais. Oh, si l'envie n'est pas là, il faut pas se forcer. Peut-être qu'un jour, c'est Edge à son tour, qui sera ton mentor, Nayone, pour visiter la galaxie Starbound. Et c'est ça qui est beau. Si je connais la porte à la torche, je suis obligé de laisser la porte ouverte pour que la torche soit allumée. Ça dépend dans quel état est ta porte au moment où tu le connectes. Ouais. Donc je vais changer ça. Mais le mieux, c'est de connecter ça à un interrupteur. Oui. Tant que tu déclares pas « ouvrez-moi la torche et allumez-moi la porte », tout va bien. Da 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 da
Encore une planète toxique. Aïe, aïe, aïe. Toxicoplanète. Alors, moi j'ai le bon niveau. Oh mon dieu, des ressources que je m'y attendais pas. Ah merde, je vais être coincé par un arbre. Ah, les racines des arbres m'ont posé problème, faut que je les abatte. Désolé pour ton nom pacifiste, mais je bousille ton environnement naturel. Exploitation agricole oblige, rendement capitaliste oblige, consumériste intergalactique oblige. Ah! On me dit que vous allez un peu trop loin, monsieur. Non, je suis vraiment obligé de laisser la porte ouverte. Oh la vache. Ah, bon, on va savoir, Nayane. Peut-être que c'est Jack qui te fera la leçon plus tard dans Starbound. Eh oui, le genou qui enseigne à l'ancien. C'était pas beau. Oreillettes dans les oreilles de facto, hein, c'est logique, mais les équipé de mes oreillettes alors que j'ai fenêtres et volets fermés, j'arrive à entendre des perturbations devant chez moi. Donc il y a des loustiques qui font un vacarme d'enfer, ça me désespère. Ah, je suis mort. Oh, rassure-moi, t'avais fait banque avant. Nierf, nierf. Ouais, ouais, mais je devais avoir encore au moins 5000, 5-6000 sur moi. Bon, c'est plus raisonnable que 36000 de tout à l'heure. Non, c'était 38. Oh mon dieu! Le mec il se balade, 38000 de thunes sur lui. Ça? Ouais, 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 tout va bien. Nayone, c'est moi qui ai mis la musique à fond. Tu veux que je la baisse? Bonne vanne de Nayone entre Nancy et hein. Oh là là, vous me rappelez mon traumatisme de cette année avec le Nancy Jazz Pulsation. Mais sans déconner, pendant 15 jours, j'ai eu les nuits perturbées parce qu'il y en a qui jouaient du jazz à donf à 2h du matin. Oh. Ah non, mais il y en a... Enfin bref. Je préfère oublier. Et des malades. Bah, je suis pour la culture, ouais, hein, je vous l'ai déjà dit, mais bon, à des heures raisonnables, faut arrêter l'abus. J'ai envie de dire, permission de minuit max, mais... Non, mais 2h du matin, être réveillé par des coups de je sais pas quoi de contrebasse et de saxo, non merci. Aucun moyen de laisser la porte fermée et d'allumer la torche en même temps. Ouche. C'est un peu bête. Ouais, il y a peut-être un truc que tu fais pas comme il faut, mais normalement, oui, tu peux le faire. Tu vas y arriver. Attends, là je bousille l'herbe en surface en arrière-plan et je re-remplis avec de la terre. Encore que, peut-être pas tant que ça, oui, j'avais dit que je referais normalement un peu de métro. J'aurais besoin de circuler rapidement après. Pardon. Mince, oula, j'ai des rototos, c'est horrible. Ah, alors. Je vais commencer à faire usage d'une houe à la... Oups. Attends, ça va pas comme terre, c'est de la boue. C'est pas de la terre de qualité. Je veux de la terre de qualité, s'il vous plaît. Voilà. Là, il y a de la roche. Non, à la roche. Non, à la wesh. Il reste du charbon. Extraction. Hop là.
Là aussi, je peux pas fermer les yeux sur la ressource. C'est du... Comment ça s'appelle? Du cuivre. Wood du. Ah, alors là, je vais peut-être me faire un escalier. Parce que c'est un peu haut. Pokémon en kikineur. Allez brouiller, on lance flamme. Violence. Alors, ouais. Comment je gère? J'ai commencé à faire un escalier. Dit le sage, tes armées seront anéanties, des mondes calcinés. Avec ton lance-flamme, tu tues des pauvres bêtes sauvages. Oui, c'est pas faux. Je suis coupable de bip. Oh, je fais tout en roche basique. J'aurais pu faire un beau truc en brique, mais bon. Je vais faire en pierre sèche. À l'ancienne, diront certains. Voilà, ça c'est de l'escalier, ça. Ah, trop bien. Vous avez la ref? Ah, une ref là-dessus. Des armées seront anéanties, des mondes calcinés. Avec ton lance-flamme, tu tues des pauvres bêtes sauvages. À part Capitaine Flamme, je vois pas, Nayone. Dis-nous tout. Désolé, je n'ai pas cette référence culturelle. Yeshui Peldouche. Ça parle à aucun d'entre vous, petit Seb et Jess, que je viens de lire de Nayone? Non. Parce que visiblement, c'est une réplique célèbre. Voilà, Nayone, il doit être déçu. Péchon l'a trouvé, Schniff. Et là, il va nous sortir que le Capitaine Flamme a un frère caché paresseux qu'on appelle Capitaine Flemme. C'est un concept. Ah, cette pluie merveilleuse qui vient de me donner un ananas tout mûr. Bon. StarCraft 2. Oh, j'ai pas joué aux deux, alors laisse tomber. Quoi? Earth of Swarm, la reine des lames, dans la bande-annonce. Il va falloir que je la regarde, cette bande-annonce. Non, j'ai un peu joué au 1. Mais alors, le 2, je l'ai jamais... Alors, je l'ai peut-être vu, mais j'ai jamais lancé. J'ai jamais acheté. J'ai... Voilà. Mais merci de la référence culturelle. Le 2, c'est un peu un truc pour pigeon. Hein. Ah bon? Bah, c'était devenu un sport national en Corée du Sud, non? Non, mais le... Enfin, moi, de ce que je... Le 2 est gratuit de base... Mmh. Mais après, chacune des campagnes, tu dois les payer. Mmh. Il me semble que c'est ça. Hein. Eh ben... il faut que je me fasse... Ah, mon blé a poussé, je suis joie. Je n'attendais plus que ça. Il faudra que je me refasse une... Ouh, parce que j'ai dû la ranger dans le vaisseau, mais la flemme de retourner dans le vaisseau. Encore que c'est là où il va me demander des pièces que j'ai pas pour fabriquer la houe, alors que c'est un truc de base, mais bon. Attends, elles sont où mes graines? Elles sont là. La 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 la. Alors, pour étayer les propos de Petit Seb Live, ah, alors qu'il nous a précisé qu'il y avait 2-3 bandes annonces de StarCraft 2, Nayane va compléter son propos pour répondre à Petit Seb. La 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 la. Oh, Duri. Oui, mais pourquoi j'éteins mes torches? Moi, c'est pas possible, j'ai un mauvais réflexe. Ouch. Attends, je regrette presque ce que j'ai fait, parce que... Au niveau inventaire, c'est un peu juste. Ouais, non, c'est bon. Il faut absolument que je me fasse un... Bref.
Oula, il est bloqué. Oula. Bon, il est créblo, le Captain Morbid, là. Il y a un problème. Yo, Zivor. Attendez, je vais changer de ton du disque. Je vais mettre la musique là maintenant. Revenez, Captain Morbid, on vous a perdu. Oh, merci. Ah non mince, au lieu de nous demander mon dû au locataire, je lui ai fait la causette, ce qui est pas désagréable. Mais ça part quelques mots échangés, ça ne donne rien. J'ai mal cliqué. Ah, les tartes spooky pie là qui font flipper. Je peux me... Oh les boissons. Oh lolol. Attends, je l'ai déjà faite celle-là, oui, c'est pas nouveau. Ananas, kiwi, je sais plus quoi là. Raisin. C'est bien, un beau cocktail. Ah, sympa. Tiens, je vais carburer au cocktail. Alors là, c'est le truc de jardinage. Là où on l'a fait comment? Ah bah j'ai rien de ce qu'il faut. Bon bah je vais retourner dans le vaisseau. Là. Elle est où ma route d'origine? Oula, j'ai l'impression que Nayonev a rédigé un pavé monstrueux. Parce qu'il a ouvert les deux points et je sens qu'il va rédiger un gros truc. Non, en fait, il s'est endormi en réfléchissant à ce que je voulais écrire. Oh, ça parle mal. Je suis méchant avec lui alors qu'il est passé sur mon stream hier. Ah, c'est bien. Non. Qu'est-ce que j'ai fait de ma roue du coup? Attends, ça c'est bizarre. Je l'aurais balancé là comme un ego. Ah, ou alors je l'ai rangé dans la cave. Non, elle est là ma roue. Tiens non. Ah bah pour une surprise, c'en est une. D'accord, c'était bien dans le vaisseau, ok. Bon. Donc je le ferai pas aujourd'hui, mais bientôt je vais me faire une extension de mon métro pour que je puisse continuer. Oh, je sais pas si je peux le faire au même niveau. Tiens, il faudrait que je vérifie, mais... Alors, là, j'ai 15 km de terre à labourer. Oh, je vais sûrement changer ma norme d'éclairage en surface de champ. Je pense que je vais faire un truc aérien mais qui dérange pas la pluie. Je sais pas trop comment m'y prendre mais il y a moyen. Alors que je me fasse comme ouais, une structure en arrière-plan et juste au premier plan il y aura la lampe en suspension au-dessus des cultures. À 1 mètre au-dessus du sol ce serait l'idéal. Ou plutôt 2 mètres quand même au-dessus de ma tête. Oh, c'est rassurant d'avoir une telle surface à pouvoir faire de l'agriculture. Il y a quelque chose d'apaisant. T'en es où dans la quête principale, Edge, au niveau des boss de Esther, la mamie Nova de l'espace? Dis-nous tout, je ne sais plus. Là, j'en suis aux avions. Je dois trouver des objets avions. Ah. C'est bête parce que t'avais trouvé un super temple tout à l'heure. C'est vrai. C'est vrai, il aurait pu se téléporter au moment où j'ai dit que j'avais éventré un temple des hommes oiseaux. Alors, à niveau de la véhicule. Oula! Alors, Nayonet, je vais le lire. StarCraft 2 est à mon goût un jeu de stratégie assez bien fait. Qui a eu son époque de gloire vers 2010 pendant quelques années. Entre parenthèses, il me précise déjà qu'il n'avait pas fini. Le jeu est sorti en trois morceaux, mais complet, jeu de base,
Wing of Liberty, ensuite Heart of the Swarm, puis pour finir Legacy of the Void. Chaque version du jeu est sortie avec une campagne complète d'une faction correspondante. Et les autres modes de jeu, comme le solo, contre l'intelligence artificielle ou en multijoueur, toutes les factions sont disponibles. Point de suspension, la suite va arriver. Oh, et puis mince, là je mélange toutes les graines parce que... Rendement maximal, il faut... Je veux rentabiliser au plus vite mon agriculture. Ah, j'ai un piaf qui m'agresse. Il va me faire payer pour tous les autres. Eh ben non, j'ai l'arrogeur arrosé. C'est moi qui l'ai eu, forcément. T'as le malheureux, il est niveau 0. Moi, je suis niveau 10 000. Je l'ai explosé en un clic. Ah, j'ai 36 milliards de graines extraterrestres. Alors, attends, elle, je l'ai plantée à l'opposé. Waouh. Blam, 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 blam. Putain, c'est 39. Oh là là là, la folie. Tu n'as pas le monopole des pavés, Nayonet, dans le chat. Westbolt a été programmé dans ce sens aussi. Mais c'est bien, si gentil à toi de prendre le temps de nous écrire. Je me sauve moi-même. Oh, bah alors. Tu meurs. T'as de l'alcool à la place du sang. C'est ça. Et donc tu disais t'es mort. Je suis mort comme un con là, de chute là. Ah. Je suis tombé et mort. Ce sont des choses qui arrivent. Mais tu peux récupérer ton cadavre, ton corps sans problème. Oui ça va. Moi j'étais dans ma base hein, c'est encore plus con. Non mais regardez-moi. Je meurs chez moi, c'est bon. Pourquoi pas, hein, mais bon. Je suis trop content. Bon, maintenant, je vais improviser et imaginer un système d'éclairage. Réfléchissons. Attends, j'ai un peu de tunasse pour acheter des lampes spéciales. Oui, j'ai un peu de tunasse. Que je fasse un truc en belle matière, mais quoi? Est-ce que je fais le truc en bois noble ou en roche? Ouais. Je vais voir ce que j'ai dans ma cave. J'ai mon gros conteneur à matière. Peut-être du bois là, c'est pas mal. Ah, Grassy Rock. Oh, j'en aurais jamais assez. Je pourrais faire un joli truc. Alors, si je fais quelque chose à base de glace, ça va pas du tout être crédible. Ou en roche de lune. Ah non, en roche de météore. Ouais, roche de météorite, ça se trouve. C'est osé, mais c'est pas pour me déplaire.
je vais faire un truc à base de roches de météorites. Mais alors l'éclairage, qu'est-ce que je choisis au niveau des lampes? Est-ce que je prends... Si le sage, tu veux venir me voir avant de... d'arrêter, tu peux? Oui, je vais prendre volontiers une visite. Je vais faire mon éclairage assez rapidement. Et oui, avec plaisir, je prends une visite. Oui, ça, tu sous-entends que tu vas bientôt aller manger, c'est ça? Non, pas spécialement, mais je sais que je vais bientôt arrêter. Bah oui, je comprends. Je m'étonne. Attends, je fais mon faux galactique machin. Oui, je vais te rendre visite, Edge, je vais te rendre visite. Est-ce que j'ai la lumière bon marché, la cheap machin? Elle éclaire vachement bien, je crois. Oh! Je viens de trouver un laboratoire avec des gens en tenue hazmat. Mm-hmm. Puis il faudra que je lise complètement Nayonet aussi. Ça peut être pas mal une lumière organique. Je sais pas si ça éclaire bien, mais ça ferait un truc stylé. Bon, bah j'espère que je vais pas regretter mon choix. C'est là où j'ai retrouvé la lumière nulle. Ouah, c'est un ver sur ma planète. Je suis trempé jusqu'au dernier boulon robot que okay, j'ai. Ok, Nayonet, moi je t'ai en tir mon lit. Il me dit quand tu le téléportes, le sage, parce que je suis pas exactement chez moi. Alors t'as encore presque 5 minutes devant toi, 3 minutes sûres. Parce que le temps que je mette mon nouveau système d'éclairage, on va dire que t'as 5 minutes devant toi, je vais pas courir non plus. Je profite de mon métro et de la flotte pour m'assurer que mes champs sont bien hydratés. Merde, j'arrive pas à me barrer de mon truc. Ah non, j'ai déclenché tout, j'arrive. Au secours. Ah oui, je suis un idiot. Bon bah tant pis, il y aura 2 tours. Bon bah 6 minutes. Mince. J'ai oublié de sortir de ma nacelle de métro, je suis reparti dans le sens contraire. Bah, c'est bien, je profite de la flotte. Donc, alors, je vais finir par lire Nayonet. Allez, là je le dis en une seule traite. Starcraft 2 est à mon goût un jeu de stratégie assez bien fait qui a eu son époque de gloire vers 2010 pendant quelques années. Chaque version du jeu est sortie avec une campagne complète d'une faction correspondante et les autres modes de jeu comme le solo contre l'IA et en multijoueur, toutes les factions sont disponibles. Depuis quelques années, le jeu Wings of Liberty est totalement gratuit et complet. Et ils ont certes l'ajout de contenu payant et superflu en plus des extensions et des modes de jeu disponibles. Mais surtout inclus dans le jeu, il y a ce qu'on appelle le mode arcade, regroupant des modes de jeu riches et variés, dans lesquels tout est accessible et gratuit. Mais je tiens à préciser par-dessus tout que je trouve StarCraft 2 bizarroïde, ce qui fait que ce n'est pas mon jeu de stratégie favori. Je préfère largement la série Age of Empires, malgré les qualités du jeu de StarCraft. D'ailleurs, si un jour vous voulez tester StarCraft 2, je suis partant. Nayonet dit, petit Seb, je pouvais pas rester muet, sans offense. Ah non, mais moi je sais qu'au début il y avait beaucoup de trucs de payants. Après, maintenant, si c'est comme ça, bah tant mieux en vrai. Mais le problème, c'est que Blizzard, ils sont pas assez clairs sur leur... sur leur façon, hein. Moi j'ai essayé de regarder un peu, moi je vois qu'il y a StarCraft 2, je vois qu'il y a un truc payant, je vois qu'il y a des trucs, un truc gratuit, des trucs payants, et en fait t'as pas assez d'infos pour comprendre tout ça, quoi. Mmh. Ah, je vais détruire un deuxième gang de mercenaires. Mmh. La 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 la. Ah! Il fait moins le malin le drone de combat là, hein? Les drones de combat. Alors, est-ce que mon éclairage va être viable ou est-ce que ça va être nul? Je sais pas combien j'en dois mettre pour bien voir. Sniff. Bon, j'améliorerai un jour après jour. Là, je fais un truc brouillon, mais c'est en phase de test-évaluation.
Ah, et puis après ça fait, dans 2 minutes, je viens voir Edge. Tu as 2 minutes pour te préparer, Edge. Oh mon Dieu! J'ai bientôt fini la pose de mon éclairage expérimental de méchant. En roche de météore, c'est stylé quand même. C'est le luxe. Ah non, j'ai mis 2 lampes en une, ça va pas non? Ah, j'ai arraché mes plans de... Mon manipulateur de matière à un rayon trop large, j'ai tout pété. Bon, tout compte fait 20 minutes. C'est ça. Je vous disais aussi. Non, non, j'arrive dans 1 minute. Je me demande si j'entends pas des relents de la tempête chez moi. Ah oui, c'est vrai que le vent ressoufflait aujourd'hui. Oh mince. C'est ça que j'entends depuis tout à l'heure, que je dis, j'ai l'impression qu'il y en a qui font le zouk devant chez moi. C'est le vent en fait que j'entends. Eh ben, donc t'accuses les gens sans oui, savoir que parce qu'il y a eu beaucoup de vent. De vent, oui. Ben là maintenant il y a du vent, mais il y avait beaucoup de gens aussi. Il y avait peut-être aussi dans l'eau des glands, mais bon, c'est parce que ça rime en an, je ne sais plus quoi dire. Voilà. Il y a beaucoup des choses en an qui fait du bruit devant chez moi. C'est joli, mais je sais pas si mon éclairage est efficace. Je peux venir te voir, petit Seb? J'attends ton signal. Edge? Ah, oui. Et là, toute la galaxie répond. Je peux venir vous voir? 10 000 réponses à la seconde. Ah, la pluie a cessé. Mais c'est bien. Oh, c'est beau. Je suis content. Oui, c'est parfois peu clair. Le jeu de base est gratuit, suffit pour s'amuser, mais rien besoin d'acheter, te répond Nayonet. Évidemment, c'était en direction de Petit Seb. Bon, AJ, je fais mon vilain, mais je débarque. Nyeh. J'attends même pas ton signal. Nyeh. Non, tu peux venir, tu peux venir. Fais dodo. Eh bien, qu'est-ce donc? Il y a tout plein de choses. Oula. Oulala, oui, c'est excentrique. C'est... Ah, c'est bien, t'es chiant. Shebao. Tentative de faire un puits raté parce que je sais pas comment faire. Ah! Oh, tu finiras bien par trouver. Voilà, là, mon but, là, c'est de trouver du bois, max de bois. Mm-hmm. Du bois. Est-ce que je peux t'aider pour le bois? Oui, je peux t'aider. Tu veux des sapins? C'est beau, les sapins. Attention, parce que ça sent le sapin. Hein. C'est ça, les Vosges de l'espace. Tiens, je te laisserai traiter des jolis sapins. Moi, je vais finir rapidement parce qu'on m'a appelé pour manger. Waouh. Bon, ben, on va arrêter. Merci, petit Seb, c'était cool. Oh, toi, il t'a encore 5 minutes, peut-être même 10. Oui, je t'ai donné mon calendrier, hein, petit Seb. Oui, j'ai vu. Ouais, tu me verras pas le premier... Il y a un seul samedi. Où... C'est ça, le 2 décembre. Exceptionnellement, le week-end du 2 et 3 décembre, je bosserai toute la journée. Boom. Bien joué, Jay, c'est cool. Mais c'est rigolo hein, comme arme. Il dirige avec la souris en fait. Y a une arme que t'aimerais bien que j'ai sur moi, c'est le lance-grenade. Regarde, il est légendaire, tu devrais bien aimer. Vas-y voir que je te le passe. Attends, je le mets là. Hop là. Vas-y, le flingue dans les fleurs. Et en fait, tu fais le clic droit pour ordonner à la grenade de péter au moment que tu le souhaites. Et c'est vachement pratique. Ça. Ah ouais. Ouais. Garde-le si ça t'intéresse. Ouais. C'est pas grave, moi je peux m'en retrouver des armes comme ça. Mais j'aime bien moi mon lance-nonneuil. C'est une arme qui me va très bien.
Oh mon dieu, cette installation chez Edgey. On n'a pas vu de l'autre côté de sa maison Kikiya. C'est peut-être encore sauvage. Oula, c'est bien, il est ambitieux le petit jeune. Je viens de monter la façade, dis donc, ça dure longtemps. Ouah. Ah oui, il voit très très large. En fait, il va vider la planète de sa substance et il va tout habiter dedans. Il va y avoir 36 sous-sols. Il va y avoir 35 000 km de long de pièces aménagées. Tout va bien. En fait, sa planète d'origine, à la fin, ça va devenir l'étoile noire. Il n'y aura plus rien de naturel. Tout aura été rendu artificiel. Il aura tout aménagé, le moins de centimètres carrés. Ça, sur une planète de 40 000 km de circonférence. Il est ambitieux, le petit jeune. Il est ambitieux. Il va faire plus fort que nous. C'est Bao. Ouais, allez. Parce que moi, je suis ambitieux. Je vais faire un méga truc, mais... Ça me fatigue de... En fait, ça me fatigue de farmer les ressources. Ah. Eh oui, mais ça fait donc, partie. Qui est passé, le sage? Ou qui s'est perdu? Je suis parti dans la forêt naturelle. Il y a la mine en dessous de mes pieds. Je la vois. Je me suis vraiment explosé l'épaule, moi, ça m'inquiète. Comment j'ai fait? J'ai le nerf qui me fait mal depuis cette nuit. Je sais pas comment... Oh, merde, un Pokémon agressif. C'est pas le moment de me masser l'épaule. Ah, à l'ancienne. Je me TP sur Edgey. Moi, je vais le chasser selon la tradition. Coucou florale. Coucou. Tiens, t'as un coffre en dessous. Hop là, merde, j'ai loupé. Attends, t'as oublié des trucs dans le coffre. Yes. Oh, il a ici une pomme de terre, Edgey. Il faudrait qu'il la cultive. Hop, je m'enfuis. Et j'ai bien aimé la promenade en forêt sur la planète d'Edgey. C'était bien. Mickey. Je m'enfuis. Bon, bah moi je vais m'arrêter là. Je vais lire les bouquins que tu m'as donnés. D'ailleurs, je les ai toujours pas lus. Je vais les ranger dans ma bibliothèque. Non, bah encore. C'est une dernière bêtise avant de partir. Ouais. Merci, petit Seb, parce que du coup, tu m'as déverrouillé un success team. Avoir 100 bouquins différents. Incroyable, mais vrai. Ici, je fais ma bêtise. Ah, je vais les ranger dans ma base. Dans la bibliothèque. Voilà. Oui, hein, pour les références culturelles, n'oublie pas de flâner dans ma bibliothèque, Edgey. Ouais. Tu vas pouvoir affoler ton index de références et de culture, parce que j'ai des trucs, j'ai tout n'importe quoi. D'ailleurs, j'ai même le document que tu devrais pas avoir, qui est normalement à la fin du jeu, qui est la carte de remerciement des développeurs d'avoir fini le jeu, comme on l'a fait avec... Petit Seb. Mais non, on a plein de documents. C'est qui, lui? Ah, mon dieu. Je me disais, mais je le connais pas. C'est... Oh! Oh! Voilà, je t'ai installé ton salon informatique. Oh, magnifique. Tu peux bosser. Oh, c'est beau. Ça me rappelle mon premier ordi qui était un 385SX... je sais plus combien. Oh, merci Petit Seb. Non, c'était un 386SX25, c'était un Commodore 64 de marque IBM, de chez Big Blow. Ah, oh, nostalgie quand tu nous tiens. Il était au meilleur de sa forme d'ailleurs quand j'avais DOS version 6 dessus. Après est arrivé voilà. Windows et c'est là où les soucis ont démarré. C'est vrai en plus, c'est triste. C'est quand l'interface graphique est arrivée. Je vous laisse un peu de temps pour vous déconnecter avant. Ouais, de... merci. C'est trop beau, je suis heureux de m'arrêter sur cette image magnifique. Merci petit Seb. De rien. Voilà, je me déconnecte violemment. Merci d'avoir... Enfin, violemment, je lâche tout pour moi. Ça va être l'heure du miam. Ça va être l'heure du miam. Je pense que je vais vous soumettre un vote de qu'est-ce qu'on fait de la pause déjeuner. Oh mon à dieu, la limite, je peux rester en vocal et faire l'ambiance. Ah oui, pour oui, tu peux rester en vocal, lui, dans l'immédiat, ça me gênera rien. J'avais fait une fois, je me rappelle.
Ouais, si le cœur tendu, il n'y a pas de souci.